Et salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon réveil à tous, hein. Petit réveil, alors là, j'ai préparé la cafetière, hein. J'ai apporté la cafetière carrément, hein, parce que là, il faut se réveiller. Bonjour à tous. Bon réveil à ceux qui se réveillent. Bon petit déj Golden Boy, hein. J'ai vu ici, il y a Florian, il y a Frédéric, Clément, bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez très très bien. Très heureux de vous retrouver pour parler du petit match que vous voyez à l'écran, hein, contre nos amis de Malines, Mechelen, hein, si on parle de la langue flamande. Bon bah voilà, c'est un match sympa. Alors effectivement, à la base, on n'était pas censé se retrouver à cette heure-là, comme vous le savez. Il était prévu que nous mettions en place, je dirais, un petit live cet après-midi, hein, puisqu'on était tout simplement sur un match qui devait avoir lieu sur les coups, alors je sais plus si c'est 15h ou 16h, mais en tout cas ça ne devait pas avoir lieu à 10h30, hein, comme c'était à la base, on va dire, prévu. Donc voilà, 10h30, bah écoutez, on va faire avec, hein, voilà, on n'a pas le choix. Hein. Fred debout depuis 7h du matin, oui, bah moi, depuis 8h à peu près, Fred. Debout depuis 8h, je te laisse imaginer aussi, pas facile. Mais c'est pas plus mal de se lever tôt, c'est un peu la yes life, tu vois. Tu peux profiter pleinement de tes journées et t'es beaucoup plus content, entre guillemets, de faire de telles journées. Que tu vois au final te lever à midi, te dire ah j'ai gâché une demi-journée. C'est pas ouf, tu vois. Clément, salut Clément. J'espère que tu vas bien. C'est peut-être à cause de la chaleur. Oui, c'est possible. Donc chaleur, oui, mais il y a de la pluie là en ce moment. Enfin, il y a eu, je crois qu'il pleut encore parce que il y a 5 minutes il pleuvait où je suis, tu vois. Donc bon, c'est intéressant. C'est clair, c'est intéressant. Bon, attendez, je bois un petit café vite fait. J'ai préparé le combo pour le réveil café, gourde avec de l'eau glacée. Voilà, c'est comme dans les hôtels, tu vois, tu as l'eau et tu as le café en même temps. Et j'ai aussi le petit brumisateur, vous savez, le petit brumisateur, les marques d'eau là qui vous font des brumisateurs, vous pouvez vous asperger la tronche. J'en ai un aussi pour essayer de, comment dire, de me rafraîchir. Surtout si on voit que voilà, entre guillemets, le Metz fait de la bouse, hein, vous voyez, et si Metz fait de la bouse, il faut effectivement se rafraîchir avec des brumisateurs, c'est très important, utilisez-les si vous en avez. Ou pour les habitués à jouer à 13h avec la ligue, mais bon, c'est un peu tôt. Ouais, c'est vrai. Salut Jotabek. J'espère que tu vas bien. Moi j'habite Fameg. Oui, Jotabek, oui. Est-ce qu'il pleut aussi, Jotabek, du côté de Fameg? J'aimerais savoir. Parce que, pour tout dire, quand j'ai vu la pluie ce matin, quand j'ai entendu la pluie ce matin, j'ai fait, ah, c'est intéressant. Il pleut. J'étais assez surpris, on va dire, de voir la pluie débarquer. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, on va quand même parler de ce qui nous intéresse un peu. Et avant cela, je vais faire un petit tweet. Parce que là, on est tranquille, on est entre nous, tout ça. Il est 9h05, le match est à 10h30. Hein, donc, on a le temps, on va un peu parler du FC Metz. Beaucoup de choses qui se sont passées autour de Metz. On va parler vite fait du dernier match. On va parler également de ce qui va arriver. Alors il y a eu, on va parler du mercato, mais aussi notamment vous avez vu du côté de Strasbourg avec potentiellement un match qui va être soit annulé, soit reporté, on ne sait pas encore. Mais c'est intéressant parce que ça a une influence sur la fin de préparation du FC Metz. Donc on va évidemment en parler. Tout d'abord, je vais, comme vous allez le voir à l'écran, faire un petit tweet que vous pouvez évidemment partager auprès de la populace. Alors,
D'ailleurs, ça me permet de remercier tous ceux et toutes celles qui, donc déjà, se sont abonnés à la chaîne YouTube, puisque comme vous avez remarqué en bas à gauche, nous avons dépassé les 500 abonnés sur la chaîne, ce qui est un score absolument indécent, évidemment, hein, votre soutien est absolument indécent. Donc je vous remercie, mais à contre-cœur, hein, bien sûr. Voilà, et donc l'objectif, évidemment, c'est de passer les 600. Voilà. Et le plus ultime, évidemment, les 1000 abonnés, comme vous le savez, hein, et là, on fera une partie. D'ailleurs, pour les 500 abonnés, je ne l'ai pas encore dit parce que les choses sont en train de se mettre en place, mais il est possible que je fasse gagner quelque chose. C'est pas énorme. C'est un petit truc, mais c'est intéressant quand même parce que ça peut être le lancement de quelque chose. Donc, je vous dis pas plus. J'attends de recevoir le colis en question. Et donc, si le colis est de bonne qualité, je dirais, je le fais effectivement gagner. Si le colis, c'est de la merde, je le garde pour moi et je ne vais pas vous en faire profiter, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais faire? Moi, nous sommes en direct sur YouTube, évidemment, YouTube, le petit bouton. Comme ça, vous avez un peu l'envers du décor de comment est-ce que je fabrique mes tweets. Venez, venez, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Hop. Très important les hashtags, évidemment. KVM FC. Hop, voilà. Attendez, je vais juste rajouter ça parce que je suis très corpo, vous savez. Au programme. FCMS. Alors attendez. Est-ce que je l'ai gardé ce machin? Non, je suis absolument terrible. J'ai pas du tout l'œil sur le chat pour le moment, donc si vous, si vous avez des questions à poser sur ce qui attend Metz, sur ce match contre Malines, on va en parler juste après. Est-ce que je mets le nom français de Malines? Allez, on va mettre le nom français. Mais normalement, je devrais mettre Mechelen, puisque c'est. Puisque, comme vous savez, d'ailleurs, je vais mettre les deux, comme ça, on va être bien. Hop! Le lien du live. Où est-ce qu'il est le lien du live? Je sais un peu où il est. C'est terrible. Hop, voilà, je l'ai ici. Attends une petite seconde. Donc pour ceux qui sont sur Twitter, si vous voulez un peu faire une bonne action, action caritative, vous pouvez dès maintenant... Hop là, voilà, vous pouvez partager le tweet que je viens de mettre, hein, et n'hésitez pas, ça fait énormément plaisir. Alors, les questions, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions. Ouh là là! Alors, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Je t'abec, ouais, de ouf, j'ai mal dormi. Tu as raison. Moi, j'ai un peu de mal au début. Clairement, je t'abec, ça n'a pas été simple. J'ai eu besoin de. Bah, comme je dis, j'ai eu besoin du brumisateur, tu sais, de la marque Evian. Alors, je suis pas sponsorisé, hein. Marque Evian, brumisateur facial spray. Spray facial. Bon, voilà quoi. Hein. Pour un peu se rafraîchir quand il fait très très chaud. Je vous le conseille, il marche très très bien. Mais ça n'a pas été simple. Vous êtes des ouf de vous à 9h du matin. Mais je t'avais qu'on aime le FCMS. Je rêvais, je vois la notif. Je t'avais qu'on aime le FCMS. Hein, c'est l'amour du FCMS, comme tu sais. Hein. Tu sais, c'est. Voilà, hein, nous, on se dédie à 100% pour Metz. Hein. Et aussi pour faire monter ce petit compteur en bas à gauche des abonnés. Hein, les 600, alors abonnez-vous surtout, n'hésitez pas. Lâchez-vous,
pour faire péter le compteur des abonnés. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais faire ça. Mince, où est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Ouais, on se connecte au machin. Allez, s'il te plaît, connecte-toi. Voilà, oui, allez, c'est très très bien, merci beaucoup. Oui, 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 hop. C'est parfait. Pourquoi les maillots à mets sont présentés à tard, tu dis, est-ce que tu penses que ce sera le 8 août? Golden Boy, pourquoi les maillots sont toujours présentés tard? Alors, moi je connais un peu la version de l'année dernière. L'année dernière, la version, c'est qu'il y a tout simplement un retard de livraison sur les maillots proposés par Nike, en gros. Les maillots sont arrivés en retard et tout simplement ça a décalé. À l'époque, ça devait être le présenté le 8 juillet, je crois. C'était décalé le 15 juillet, si je me souviens bien. Et donc, c'était ça, c'est un problème de livraison. Alors, la question, c'est effectivement, tu me poses une bonne question, Golden Boy, c'est est-ce que c'est la même raison cette année ou est-ce qu'on est sur encore une autre raison incroyable qui explique cela? Est-ce que par exemple l'accord signé avec Kappa a été au final assez tardif parce que peut-être qu'il y avait d'autres concurrents en place pour essayer de choper le contrat, je dirais. Et donc peut-être que ça a pris du retard à cause de ça, tu vois. C'est grandement possible, hein. Mais après, effectivement, c'est un peu là à un moment donné. Effectivement, on va me dire ouais, est-ce que c'est de l'amateurisme de la part du club de cette pré aussi tard. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on est le 1er août et que le 1er août, on a affaire à. Bah, déjà, les maillots qui ne sont pas là, mais déjà, c'est pas ça le problème. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que l'absence des maillots a eu une influence sur d'autres choses et notamment le redémarrage de la boutique en ligne. Alors certains peuvent en avoir rien à faire du redémarrage de la boutique en ligne, d'autres au contraire trouveraient ça scandaleux que la boutique en ligne ne soit pas redémarrée puisque ben, tu vois, certains avaient prévu par exemple d'acheter les masques, bon, je prévois peut-être d'aller faire un saut d'ailleurs au stade la semaine prochaine lors de de mes moments de repos qui sont très 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 on va dire courts dans une semaine. Voilà, je veux dire, c'est embêtant pour les gens qui veulent commander. Maintenant, effectivement, pourquoi je parle de la boutique en ligne? Parce que c'est pas impossible que le redémarrage de la boutique en ligne dépend en fait de la présentation du maillot, en fait, en gros. Parce que si tu redémarres la boutique en ligne, mais que t'as pas genre le nouveau maillot qui est un peu la devanture de ta boutique pour vraiment lancer la boutique en ligne, bah c'est un peu un relancement raté entre guillemets de ta boutique en ligne, tu vois. Donc peut-être que c'est une incidence en fait, qu'il n'y ait pas eu encore la présentation des maillots sur d'autres choses dont le redémarrage de la boutique en ligne. Et vu que certains sont très énervés de voir que la boutique n'est toujours pas de retour, ben tu vois, ça a quand même des conséquences un peu néfastes, je dirais. Donc forcément, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on pourra parler aussi de la réserve du FCMS, demande Charlie. On peut parler de la réserve du FCMS, oui. Bah écoute, la réserve du SMS, donc là, qui est en train de faire sa préparation, qui pour l'instant, si je me trompe pas, est invaincu tranquillement, mais sûrement, qui va avoir un groupe l'année prochaine assez compliqué quand même. Hein. Je veux dire, t'as des petites réserves intéressantes que tu vas affronter. Je crois que t'as Sedan que tu vas affronter aussi. Donc un groupe assez relevé pour, je dirais. Une équipe qui effectivement est on va dire remaniée, enfin comment dire, j'allais pas dire remaniée, mais le problème qu'il y a c'est que c'est une équipe qui a eu beaucoup de départs, faut le dire, hein. Il y a eu beaucoup de départs dans cette équipe, je vais juste faire ça, pardon. Il y a eu beaucoup de départs dans cette équipe au point qu'effectivement certains départs ont pas forcément été bien comblés de la part du club parce que quand tu en arrives à un point où tu dois rappeler, je dirais par exemple Milan Robin à qui on a fait signer un contrat de professionnel d'un an, je veux dire, quand tu en arrives à ce point-là, c'est que pour un joueur donc, à qui à la base tu ne proposes pas un contrat et qui
finalement, tu lui proposes un contrat et donc il accepte, sachant que de ce que j'ai compris à l'époque, lui n'était absolument pas contre l'idée de signer quelque chose au FC Metz. De ce que j'ai compris, il a tout simplement pas eu de proposition de la part de Metz, et donc ben, il s'est retrouvé effectivement sans rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sens que comment dire, qu'il y a eu des changements dans l'effectif qui n'ont pas forcément été envisagés. Et le problème qu'il y a, c'est que si la réserve du FC Metz était maintenue en National 3, je te dirais, bon allez, tu as une réorganisation de l'effectif de la réserve, c'est normal. Tu as aussi la montée des jeunes U19 qui sont là pour essayer justement de maintenir l'équipe. Non, mais en tout cas, tu vois, de continuer à être sur le même élan qu'a Promo avec ses joueurs depuis qu'il est arrivé. Et le problème qu'il y a, c'est que là, tu montes dans une division au-dessus. Division compliquée, hein, la Nationale 2, parce qu'il y a beaucoup de petites équipes qui sont régionalement très très fortes. Et donc forcément, faut que tu sois un peu armé quand même, quoi. Donc après, c'est vrai que aujourd'hui, il y a certains jeunes, donc des anciens de la réserve qui ont été rappelés. Milan Robin, c'est l'exemple parfait. Pas Robin Milan, pardon. C'est l'exemple parfait. Tu as aussi des U19 que tu as fait monter, dont certains qu'on a vu lors du match amical contre comment dire, c'était contre Charleroi, pardon. Donc tu as aussi ces jeunes-là. Question aussi, est-ce que certains de l'équipe de l'effectif professionnel vont aussi rejoindre le club, enfin la réserve? Ça reste une question aussi, et notamment il y a un joueur en particulier dont on évoque un peu l'avenir, hein, un certain Delcroix, ou Delcroix aujourd'hui est troisième gardien dans la hiérarchie. Par rapport aux propos qui ont été dits par, encore une fois, par le gardien lui-même, c'est-à-dire, enfin, par Caillard, pardon, qui vient d'arriver, et parce qu'on a vu notamment contre la Gantoise, est-ce que Delcroix va aider la réserve, tu vois, pour essayer de la renforcer un peu, parce que là aussi, il y a un peu des incertitudes sur le poste de gardien de but. Je rappelle qu'on avait un gardien de but qui s'appelle De Clemente, qui finalement n'a pas été gardé, et qui est parti du côté de Toulon, tu vois. Donc Toulon, je veux dire, si c'était pour aller à Toulon, est-ce qu'il a, tu vois, encore une fois, on l'a rien proposé, à ce que j'ai compris. Beaucoup de chantiers, et pour Promo, hein, Promo, il va devoir un peu reconstruire la réserve. Il a fait du très bon boulot la saison dernière. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à reconstruire un groupe pour maintenir le club en National 2? Donc National 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est la quatrième division, je précise. Est-ce qu'il va réussir à maintenir le club en quatrième division? C'est clairement pas sûr aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes au niveau de la réserve. Je redescends sur les questions. C'est quand qu'ils vont nous montrer les maillots? Donc je t'avais que j'ai répondu juste avant, hein. Normalement, le 8 août, les maillots, donc on espère les avoir à cette occasion-là. Combien d'abonnés actuellement? Le chiffre n'a pas été précisé, mais à mon avis, si c'est plus de 5000 personnes, ceux qui se sont abonnés, vous avez intérêt à bien serrer les fesses, parce que quand on va faire un tirage au sort entre tous les abonnés pour dire toi tu vas au match, toi tu ne vas pas au match, il y en a, ils vont pas comprendre ce qui va leur arriver, ça c'est certain. Salut Loïc! Je descends toutes les questions, donc des fois j'ai un peu de temps, désolé, hein. Mais donc lui qui disait il y a un gros problème gestion dans le club au niveau com et marketing. Alors, ouais, Fred, du maintenant se prendre beaucoup de temps aussi. Oui, en fait, faut comprendre une chose, c'est que Metz est un peu entre deux eaux. Aujourd'hui, évidemment que c'est important d'avoir un département comme. Et là, celui qui vous parle, c'est un peu le gars qui bosse. Dans le, comment dire, dans l'écosystème des départements com, des départements marketing. Pour information, je viens du marketing digital, donc je sais un peu de quoi je parle sur le sujet. Donc les questions de com et de marketing, c'est un peu mon domaine. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est évidemment très important aujourd'hui pour des clubs de développer ces aspects-là. Parce que aujourd'hui, pour résumer, la très grande partie des recettes d'un club, ça va être les droits TV. Les droits TV dépendent de quoi? Des résultats sportifs, donc du sportif, pas de la com, ni du marketing.
Deuxième recette, ça va être tout ce qui est la billetterie. Voilà. Donc la billetterie, par contre, là, on est là. Le but, c'est d'attirer des supporters au stade, notamment, trouver des moyens. Et donc là, ça, par contre, la com et le marketing rentrent en jeu. On est entièrement d'accord. Et puis il y a aussi le fait que tu vas chercher à faire ce qu'on appelle un peu de l'awareness, c'est-à-dire l'awareness, en gros, pour traduire, c'est de faire de la notoriété. Donc là, il faut que tu aies une vraie stratégie en place. Et là, c'est à nouveau le boulot de la com et du marketing de le faire. Sur l'instant T, ça rapporte pas d'argent, mais c'est une vision à long terme de développer cela. Et donc là, vous avez un peu compris, si vous avez bien analysé mes propos, vous avez compris qu'il y a un petit souci, c'est que d'un côté, nous avons le sportif qui est important parce que le sportif, c'est ce qui amène des droits de TV et c'est ce qui amène la plus grande source de revenus pour un club de football. Et vous avez de l'autre côté tout ce qui est le marketing et la com qui va aujourd'hui, dans le meilleur des cas, amener beaucoup plus de spectateurs au stade. Donc ça va, on parle de la billetterie. Aussi, on parle, je n'ai même pas parlé, mais du merchandising, on a vu avec tout le merchandising mis en place, on parle de la boutique en ligne. Bon voilà, ça aujourd'hui, dans les revenus du FCMS, c'est Globalement, oui. alors qu'on vient de s'abonner. Merci beaucoup à celui qui vient de s'abonner, j'irai voir ça après. Et donc aujourd'hui, c'est du troisième, comment dire, c'est du... Salut, merci Loïc pour ton abonnement. Oui, vous avez entendu le globalement oui, c'est Vincent Ognon hein, qui dit ça. Petite précision. Merci Loïc pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Et donc ce que je disais, c'est qu'en gros, tout ce qui est merchandising, c'est aujourd'hui c'est troisième en termes de revenus, c'est même pas, vous savez, c'est même pas premier. Et donc forcément, quand je suis à la tête d'un club, moi je suis dans l'état d'esprit de, ah bah aujourd'hui, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est le sportif, c'est pas le merchandising. Et donc moi, bêtement, je vais tout simplement mettre tous les moyens sur le sportif et délaisser le marketing. Et mine de rien, je vais pas vous cacher, mais c'est mieux que ce soit dans le sens où c'est actuellement. C'est-à-dire que moi, je préfère, et donc ça c'est un avis perso, je préfère évidemment que Metz mette plus de moyens sur le sportif que sur le marketing ou la com aujourd'hui. J'ai pas envie que mon club devienne un peu ce qui se passe à Bordeaux. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on a fait beaucoup de tralala sur le marketing et la com du club. On a fait un nouveau logo, voilà, mais on a totalement délaissé le sportif, qui aujourd'hui est à un point, absolument un point mort. Et aujourd'hui, la construction de l'effectif du côté de Bordeaux, elle est très compliquée parce qu'on a mis beaucoup de moyens sur les aspects marketing et les aspects com. Donc on a délaissé le sportif au profit de cet aspect marketing et de cet aspect com. Maintenant, ça n'empêche pas, je suis d'accord avec ce que vont me dire certains, un équilibre entre le sportif et l'évolution du département com et le département marketing. Moi, ce que... Pour répondre vraiment au problème de pourquoi est-ce que on a l'impression que ça pêche un peu dans ce point-là, je pense que c'est plus pas une question de moyens. Je pense que Metz a les moyens aujourd'hui de développer une politique commerce, une politique de communication et de marketing qui n'a rien à envier à certains clubs de Ligue 1 qui ont des moyens pourtant très très faibles. Je vous prenais Chambly, club de deuxième division avec notamment le Maxime, j'ai plus son nom, qui est le porte-étendard, enfin qui est le CM de Chambly et qui fait un travail extraordinaire d'un point de vue communication et même des fois marketing pour le club. Quand je vois ça de l'extérieur, je trouve ça absolument génial. Et voilà quoi, quand je vois ça, je suis un peu en mode, ben, t'as pas besoin d'avoir de gros moyens pour faire du marketing ou de la communication aujourd'hui dans un club. Le problème qu'il y a, et là je vais vous dire c'est quoi le problème, c'est que quand vous êtes un chef d'entreprise, et moi, c'est l'expérience personnelle qui vous dit ça. La communication et le marketing, vous voyez, quand vous êtes un chef d'entreprise un peu, je dirais, pas forcément ouvert, hein, un peu fermé, vous voyez ça comme un coût et pas comme une opportunité de gain. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas, si je mets 5 euros dans la com ou dans le marketing, ça va me rapporter dans un mois, 2 mois, 3 mois, 15, 20 euros. Vous, vous retenez juste l'aspect, ça me coûte 5 euros. Bah vous m'étonnez, faut pas vous étonner après que beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est le cas dans le monde du football, pensent que entre guillemets ça vaut pas le coup de mettre de l'argent, ou en tout cas mettre pas énormément d'argent dans la communication et le marketing. Mais c'est une erreur. À long terme, c'est une erreur de faire ça. La preuve, on voit très bien encore les effets aujourd'hui. Et c'est là où c'est très très compliqué, je pense, à ce niveau-là de délaisser. Mais encore une fois, je suis plus partisan de mettre les moyens sur le sportif que sur la communication et le marketing. Si on peut mettre les moyens dans les deux,
enfin dans les trois, je veux dire, donc le sportif, la communication et le marketing, bah c'est le meilleur choix. Mais aujourd'hui, c'est pas le choix qui est. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, on n'a pas l'impression que c'est une priorité, l'aspect marketing. L'aspect communication, il y a des choses quand même qui sont faites, même si ça manque des fois un peu de créativité. Beaucoup, on essaie beaucoup de copier ce que font les autres et on a du mal à innover, je dirais, dans l'approche communication. Et l'approche marketing, aujourd'hui, c'est un peu compliqué vu de l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui bosse dans le marketing digital qui vous dit ça. C'est un peu compliqué de l'extérieur. Mais peut-être que ça va évoluer, que ça va évoluer positivement, et j'espère que ça va évoluer positivement vers l'avenir. Ça ne peut qu'aller vers l'avant maintenant. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je lis vos questions, vous avez beaucoup de questions, ça fait énormément plaisir. Et puis après, on va parler du match. Là, on est à peu près à 1 h du match, donc on va pouvoir commencer à rentrer dans le match. Là, on est tranquille, on se pose tranquillement, voilà. On parle du FC Metz et tout. De l'actualité du FC Metz. Un point que le club doit améliorer, ouais. Ok. En parlant National 3 et National 2, pourquoi est-ce qu'il y a des groupes? Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes? Parce qu'il y a tout simplement beaucoup d'équipes qui jouent en. Il y a beaucoup de clubs qui sont en 4e et en 5e division. Et en fait, il y a tellement de clubs qu'on ne peut pas faire un championnat. Et on veut pas, entre guillemets, que ce soit aussi fermé l'accession à la D4, en fait. Parce que. Et à la D5 aussi, d'ailleurs. Donc, forcément, tu as énormément de clubs qui sont en National 2 et en National 3. Et aussi des clubs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, qui peuvent pas faire des déplacements, des fois, à l'autre bout de la France, tu vois. Donc généralement les groupes sont pensés pour qu'il y ait aussi pas trop de difficultés géographiques pour les clubs pour aller jouer des matchs, tu vois. Donc on fait des groupes et généralement dans beaucoup de groupes il y a des fois beaucoup d'adversaires proches de ton équipe. Pas tout le temps, faut le noter. Mais c'est à ça que sert aussi les groupes quoi. Les groupes de National 2, National 3. Strasbourg-Metz est annulé, oui. Alors effectivement, alors que je vois qu'il y a beaucoup d'autres choses sur notamment le mercato, on va parler de ça après. Oui, Pépito, j'habite dans la région de Metz, Pépito. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors effectivement, Strasbourg-Metz annulé. Bah écoutez, Strasbourg-Metz annulé, c'est un petit problème. Enfin. Strasbourg-Metz est annulé. Non, je tapais comme Mirabel TV le match ou alors le Facebook du SMS. D'ailleurs, je vais regarder le match sur le Facebook du FCMS. Mais je ne le montre pas, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Strasbourg-Metz s'est annulé. Le match qui était prévu à Colmar est annulé. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas lieu. Peut-être qu'il aura lieu autre part qu'à Colmar. En tout cas, Colmar a annoncé qu'ils annulaient le match. Raison officielle évoquée. Le contexte du Covid assez compliqué en ce moment pour la gestion d'un match. Deuxième raison évoquée, c'est au niveau de leur terrain. Il y a beaucoup d'incertitudes sur est-ce que le terrain sera prêt ou pas, et surtout prêt pour la reprise du championnat pour Colmar. Et donc ils ont peur que le terrain soit un peu mis à mal par notamment le match entre Strasbourg et Metz. Et donc pour beaucoup de raisons, mais qui ont l'air effectivement un peu tirées par les cheveux, mais je pense qu'ils sont censés. Le match est annulé. Le match prévu à Colmar est annulé. À mettre en parallèle de ce qui a été annoncé, notamment du côté de Strasbourg, avec 5 cas positifs. D'ailleurs, je vais vous montrer l'info, mais 5 cas positifs au Covid-19 qui font que leur match amical contre Nancy. Vous voyez, match amical prévu contre Nancy annulé. Je pense pas que ce soit la raison principale qui fait que le match prévu à Colmar soit annulé. Je pense pas parce que on a à peu près 15 jours. Et comme vous l'avez remarqué, les clubs, quand ils ont des cas positifs, ne respectent absolument pas cette règle qui était apparue à un moment donné dans certains championnats, qui est que l'équipe est mise en quatorzaine, tout ça. C'est quasiment pas mis en place. Je pense que la stratégie aujourd'hui, c'est de tester tous les jours les joueurs. Et de d'isoler ceux qui ont le virus, et les autres peuvent continuer leur chemin tranquillement. Donc je pense pas que ce soit la raison principale qui fait que le match à Colmar soit nul. Voilà. Ce que je peux dire, c'est ça. Et pas que. Voilà. Donc on va prendre en compte ce que dit Colmar sur l'annulation du match comme raison officielle, quoi.
Loïc, apparemment Diallo aurait refusé l'offre de Tottenham, ne pas croire aux 49 millions d'euros car pas de garantie de ton jeu, MS n'aurait pour le moment aucune offre. Alors, cette histoire de Tottenham, de toute façon, à 49 millions d'euros ou pas à 49 millions d'euros, je dirais que pour commencer, c'est une affaire du mois de janvier. D'ailleurs, ça a été confirmé par l'agent de Diallo lui-même. Il dit que quand il y a l'intérêt de Tottenham, c'est l'intérêt intervient en janvier parce que c'était assez contextuel à un moment où Tottenham avait Harry Kane qui était blessé. Ils avaient besoin d'un buteur pour remplacer. Diallo était une opportunité. C'était d'ailleurs très très smart de leur part d'aller à ce moment-là parce que techniquement, la valeur de Diallo pouvait continuer à augmenter et si tu pouvais avoir le joueur à un prix intermédiaire par rapport au prix actuel. Bah, tu tentes le coup de le prendre dès le mois de décembre, enfin dès le mois de janvier. Malheureusement, Metz, effectivement, est à ce moment-là très très embêté au niveau du classement, 17e. Donc forcément, tu veux pas t'en séparer, même à une très très grosse somme, donc tu refuses. Après, si on voit un peu plus loin et qu'on se dit, est-ce qu'il y a une raison pour qu'il refuse même aujourd'hui? Je parle du camp de Diallo, hein, pas forcément de Metz. Tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, Harry Kane partira-t-il? Bonne question. Parce que je vois pas vraiment pour l'instant les endroits. En fait, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas encore de chaise musicale des avant-centres au niveau européen. T'as pas de club qui a démarré vraiment les chaises musicales. Peut-être que quand des clubs ont commencé à se précipiter sur des attaquants, ça va entraîner le départ d'autres attaquants, tu vois, venant d'autres clubs. Harry Kane, on sait que c'est quelqu'un qui peut rentrer dans cette chaise musicale-là, et donc dans ce cas-là, un poste d'attaquant se libère. Après, l'inquiétude de Diallo de se dire est-ce que j'aurais du temps de jeu dans ces clubs-là, je dirais aujourd'hui, dans tous les clubs d'Angleterre, il doit s'inquiéter, Diallo. À partir du moment où les clubs anglais peuvent des fois mettre voilà, 20, 30 millions d'euros, des fois 40 millions d'euros sur des joueurs, quand tu vas en Angleterre, bien sûr que tu dois t'inquiéter pour ton poste de titulaire. Bien sûr, c'est certain. La question n'est pas la même quand t'es en France. Quand en France on te recrute pour 20 millions d'euros, je te garantis que on te fout titulaire et il n'y a pas de discussion possible. Et si on te met pas titulaire, tu as le propriétaire qui vient voir l'entraîneur et lui dit bon, vous êtes bien gentil avec vos machins là, mais faut que vous fassiez quelque chose par rapport à ce joueur-là. Ça explique pourquoi dans une certaine mesure. Bizarrement, on tente de mettre un Victoria Ngbang en numéro 6 alors que c'est pas son poste, parce que c'est un joueur qui a coûté beaucoup d'argent et qu'à un moment donné, il faut un peu rentabiliser l'achat, quoi. C'est le même état d'esprit quand vous recrutez un joueur avec une très très grosse valeur, forcément, alors que ça c'est l'alerte rouge, je sais pas pourquoi, forcément, vous cherchez à le faire jouer, c'est très important. Et donc, vous êtes un peu ben, en disant, ben. Faisons en sorte de le faire jouer, quoi. Et oui, Metz a aucune offre pour le moment. Bah oui, bah le problème c'est que le marché est pas aussi simple que ça. Et après, juste pour terminer sur Diallo, peut-être qu'on en reparlera après. Mais j'en vois beaucoup. Alors des fois ils le font ironiquement, donc j'essaie de prendre du recul par rapport à ça. En disant oui, vous voyez pour quelle somme est parti Osimhen, alors qu'il a, je crois, un ou deux buts de plus que Diallo. Je rappelle quand même que Osimhen, il a accessoirement 3 ans de moins que Diallo. Hein, il a 21 ans, il va avoir 22 ans en mois de décembre. Et le mec a déjà de l'expérience européenne. Diallo, il a juste une bonne saison en Ligue 1. C'est juste pour remettre un peu. Certaines personnes sur Terre, quoi, en vous disant, les gars, calmez-vous, je sais que vous voulez que que Diallo parte pour 40 millions d'euros, c'est pas si simple que ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Qu'est-ce qu'il y a en question? Clément qui dit, il faut mettre un rêve pour garder le foot maintenant, bien sûr, Clément. Très important. Si tu suivais un peu des fois même la NBA, parce que certains, je sais que regardent la NBA, un petit sommet avant de se réveiller pour regarder la NBA, des fois certains matchs qui à l'époque étaient à 4h30 du matin, donc là actuellement
ça va revenir là, parce que ça revient à la NBA en ce moment, mais certains font ça, tu vois. Ils se lèvent très tôt pour regarder des matchs. Pépito dit, j'en ai marre de jouer contre des équipes belges. C'est très bien les équipes belges. C'est très bien les équipes belges. Proximité géographique. Proximité géographique, certes, c'est des équipes qui, pour certaines, ont de l'expérience européenne. Très très bien les équipes belges. Loïc dit d'ailleurs, Endoram a repris l'entraînement un petit peu sur le haut du corps, j'ai vu sur Instagram. Ouais, j'ai vu s'il a repris l'entraînement, enfin l'entraînement, il se maintient physiquement, quoi, on va dire, sur le haut du corps. Mais bon, Endoram, il faut qu'il se soigne tranquillement, sans trop, on va dire, de se précipiter. Je veux dire, voilà quoi, il n'y a pas besoin de se précipiter. Je veux dire, Metz est en train de penser, entre guillemets, à la saison comme s'il allait parvenir, même si. Ils se disent bien qu'il va revenir peut-être sur le mois de février-mars. D'ailleurs, je pense plus vers le mois de mars. Il prépare quand même la saison comme s'il n'était pas là la saison prochaine, tu vois. D'ailleurs, quand tu vois tous les essais tactiques qui sont faits depuis le début de la préparation, ça prouve bien qu'aujourd'hui, on n'a pas décidé encore si on va jouer avec un 4-3-3 avec une sentinelle devant. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, ce qui prouve bien que... Qu'on réfléchit même, enfin on se dit pas genre ouais Endora va revenir bientôt, faisons un système pour le mettre bien quand il sera de retour. Je pense que l'idée est pas là quoi. Faut le laisser reprendre tranquillement. Godemucky serein avait l'air confiant sur la vente de Diallo. Non mais Golden Boy il avait la volonté de vendre Diallo depuis le début mai. Moi, j'avais dit à l'époque que c'était un problème de dire ça parce que dire dès le début du mois de mai que ton joueur est à vendre, soit c'est pour être franc avec tes supporters, soit c'est pour dire que t'as pas vraiment de club intéressé par ton joueur. Et là, quand tu vois pour l'instant l'évolution du mercato et le fait qu'il y a quasiment aucune rumeur qui sort, soit c'est positif parce que ça veut dire que ça bosse bien en cachette, ça bosse très très bien sur un départ, soit ça peut être vu négativement et tu peux dire que personne n'est intéressé par Diallo. Et donc forcément, dans le prix que tu te fixes pour la vente de Diallo, faut peut-être que tu redescendes un peu l'exigence du prix. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas simple. La vente de Diallo, Diallo partira, il sera vendu, c'est certain. La question c'est à quel prix? Et quand? Et ça a une influence le fait de savoir quand est-ce que tu vas vendre Diallo. Plus tu attends, plus tu as de chances en théorie de le vendre cher. Maintenant, est-ce que Bernard Seurin, le président, veut attendre longtemps? Est-ce qu'il ne veut pas boucler la vente rapidement pour vraiment voilà, mettre toute l'équipe dans l'esprit de Diallo n'est plus là? Voilà. Metz 57, salut Metz 57. Penses-tu que Metz a le potentiel offensif nécessaire sans Diallo? As-tu confiance au nouveau jeune de Génération Foot qui est le joueur de Génération Foot qui a le plus de potentiel selon toi? Penses-tu que Metz ait le potentiel offensif nécessaire sans Diallo? Bah le problème, c'est compliqué à dire aujourd'hui. Parce que déjà le potentiel offensif, le fait est que tu t'es renforcé sur les ailes. C'est un fait. Je veux dire quand tu fais venir Wagner, quand tu fais venir un jeune de génération foot qui a plutôt montré de bonnes choses à Pau. Tu récupères Sabali que pour l'instant tu conserves dans l'effectif. Quand tu vois tout ça, le potentiel offensif de Metz est augmenté. Et pourquoi il y a aussi ça? C'est parce qu'aujourd'hui vous devez trouver une addition de joueurs qui est capable de marquer autant de buts qu'a marqué Diallo la saison dernière. C'est ça la réalité. La réalité aujourd'hui c'est quoi? C'est que soit vous trouvez un joueur qui met le même nombre de buts que Diallo pour essayer de maintenir le club en Ligue 1 comme ça s'est passé la saison dernière, soit vous trouvez une addition de joueurs qui, en additionnant les buts, on arrive à peu près à ce que faisait Diallo. Ça c'est possible, cette addition-là. Maintenant, aujourd'hui, pour parler directement de Nian, puisqu'on parle de lui, hein, pour être le remplaçant désigné de Diallo, moi ce qui m'inquiète un peu c'est que... Dites-vous bien que Diallo ne s'est pas fait en une année. Diallo a eu besoin
pour arriver au point où il est arrivé aujourd'hui, il a eu un vrai parcours entre guillemets qui l'a amené à son niveau d'aujourd'hui. Et beaucoup de gens le sous-estiment ce parcours-là, notamment les deux prêts qu'il a eu du côté de Brest. Et moi, c'est là le regret que j'ai sur Nian depuis le début, c'est que pour moi, Nian, on aurait dû le prêter la saison dernière. À un moment donné, quand je fais la rétrospective, parce que un jeune comme lui, il doit jouer. Il doit jouer, et le problème, c'est que si vous vous souvenez un peu de l'apprentissage de Nian, il arrive à Metz en tant que jeune joueur pour sa première saison, c'est en Ligue 1. Il est remplaçant, bon, il fait quelques apparitions. Derrière, il y a la Ligue 2 qui arrive. Et au final, il n'est pas titulaire en Ligue 2, hein, puisqu'il est mis sur le banc au profit d'Habib Diallo. Et c'est ce que je disais, c'est qu'en gros, on avait fait une vidéo sur Niané que je vous conseille d'aller voir où on parle de la saison dernière de Niane. Et on le dit très bien, en termes de temps de jeu, Niané est en régression depuis son arrivée au FC Metz. Quand vous prenez ces nombres de minutes du moment où il arrive à Metz, sa première saison, donc la saison 2017-2018, la saison 2018-2019 de Ligue 2 et la saison 2019-2020 de Ligue 1, Niané est en régression au niveau du temps de jeu moyen. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Dans sa progression, c'est un vrai problème. Ce qui fait que là, il a beaucoup de pression pour la nouvelle saison parce que là, on a clairement dit dès le début, mec, tu seras titulaire l'année prochaine. Beaucoup de pression sur le joueur, quoi. Et donc il y a le potentiel pour moi, mais est-ce qu'il y a la qualité d'entrée? C'est pas facile. Et est-ce que tu as confiance au nouveau jeune de Génération Foot et le joueur de Génération Foot qui a le plus de potentiel selon toi? Clairement, est-ce que j'ai confiance au jeune de Génération Foot? Oui, à partir du moment où on a un vrai projet de développement des joueurs. Ce que j'ai vu avec Sabali, ça m'intéresse énormément. Énormément. De voir la progression de Sabali, le fait qu'on l'envoie en prêt en national, qu'il prend ce prêt au sérieux. Quand vous voyez Sabali jouer aujourd'hui, quand vous voyez aller au casse-pipe dans les duels avec les adversaires, je vous garantis que s'il ne fait pas son passage en national, il ne fait jamais ça. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui, le passage en national a été très très important parce qu'il a pu notamment comprendre l'intensité physique, enfin surtout l'impact physique qu'il y a, parce que la troisième division elle est assez rude, hein, et sa forme. Si on fournit à ces jeunes-là un bon parcours de national, voire Ligue 2 et après l'équipe 1, donc peut-être la Ligue 1 avec Metz, moi ça me va. Mais par contre, balancer un jeune comme ça, moi j'aime pas trop, enfin. Je pense que c'est pas forcément la meilleure méthode, quoi. Et le joueur de Génération Foot qui a le plus de potentiel selon toi, je suis très intrigué par ce qu'ils vont faire de Yadé. Je suis convaincu que Yadé va devenir à un moment donné avant-centre. Il est actuellement ailier gauche. Je sais pas, mon petit doigt me dit qu'il peut devenir avant-centre. Mais on verra bien. Alors les autres questions. Salut Fanatics. Bonne séance de muscu. Loïc dit, s'il arrive le cas où Diallo n'a pas les garanties ailleurs et ne veut pas signer, du coup reste à Metz, il faudra prêter ou vendre Nian ou prolonger Diallo. Prolonger Diallo non, puisque je te rappelle que Diallo est sous contrat avec Metz jusqu'en 2023, si je me trompe pas. Donc pas besoin de prolonger Diallo. Maintenant, 2023 ou 2022, faut vérifier. En tout cas, il n'est pas libre à la fin de la saison. Ça, c'est sûr. Donc pas besoin de le prolonger en soi. Maintenant, je peux te garantir que Diallo sera vendu. Parce que Diallo et la vente de Diallo est budgétée dans le budget du FC Metz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le budget du FC Metz, il est prévu la vente de Diallo. Alors la question c'est à quel prix? Ça je dirais que c'est le mystère. Hein. Non, 2022? Merci, 2022. Oui, parce qu'à la base c'était 2021. Donc peut-être que c'est 2022. Effectivement. Je sais plus si c'est 2022 ou 2023. C'est pour ça que je posais la question. Pour moi, j'ai cru que c'est 2023. Je vais quand même revoir un truc. Oui, 2022, c'est ça. Effectivement. Donc non, t'as pas forcément besoin de le prolonger sur du 2022.
L'année prochaine, éventuellement, s'il reste à Metz, tu le prolongerais. Mais encore une fois, la vente de Diallo, elle est budgétée. Cette vente est budgétée, donc voilà quoi. Alors qu'on me dit que Diallo est titulaire. Bigorna qui est absolument dingue. Donc ça c'est... Alors attendez, je vais... Donc c'est le 11, on va en parler. C'est intéressant ce 11. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Je regarde juste vite fait s'il y a un truc à dire, vite fait. -3. Ok, donc maintenant on va parler du match. Que je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vais faire aussi une petite formation sur demi-volée pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors attendez une seconde, je vais juste préparer. Hop. Alors l'équipe qui est mobilisée. Oukidja, 111, Boy, Brown, Delaine, Angban, Pajot, Maiga, Nguette, Boulaya, Diallo. Bon, alors sur le papier, ça a l'air d'être une équipe quasi, on va dire, quasi Ligue 1, quand je veux dire prête pour la Ligue 1. Comme vous savez, Udol est absent. Udol est absent puisqu'il est toujours blessé. Donc c'est Delaine qui va jouer à sa place. Donc là, nous avons Angban, Pajot, Maiga, Nguette, Boulaya, Diallo. Alors. Déjà à commencer, on va parler de. Donc la défense normale, on va parler de ce qui fâche. Parce que moi, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas très très, très très optimiste. C'est la question du poste de numéro 6. Parce que là, sur le papier, j'ai la. Enfin, encore une fois, on n'est pas sûr. Hein, parce que je sais qu'il y a notamment Grenat Forever qui, dans le chat, a dit que Angban allait être. Allait être sentinelle, c'est pas sûr Grenoble Forever qu'il soit sentinelle. Sur le, quand tu prends la liste comme elle est faite, t'as l'impression que Angban est sentinelle. J'attends de voir sur le terrain. Parce qu'on peut très bien avoir Maiga en sentinelle et Angban en 8. D'ailleurs, dans un système, là, de ce que je vois, est-ce que c'est un 4-3-3 ou est-ce que c'est à nouveau un 4-3-3 hybride? On verra sur le terrain. Parce que là, vu comment le système est dessiné de ce que je vois à l'écran, on est sur un 4-3-3. Est-ce qu'on est sur un hybride ou est-ce qu'on est sur un 4-3-3 normal? Bonne question. Là, on est plus sur une équipe de type 4-3-3 normal. Peut-être que c'est un hybride. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, moi, dans la compo, je vais pour le moment considérer qu'effectivement, au vu de ce qu'on a vu lors des matchs précédents amicaux, Angban et Sentinelle, hein, même si je ne pense pas qu'il sera Sentinelle sur ce match. Enfin, je ne sais pas que je ne pense pas. Je ne le souhaite pas, on va dire. Parce que je pense que pour l'instant, Angban n'est absolument pas fait pour le poste de Sentinelle. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir le débrief que j'ai fait du match contre Charleroi et le débrief du match que j'ai fait contre la Gantoise. Vous allez comprendre très vite pourquoi je considère que pour l'instant, ça n'est pas une bonne solution. Mais on va voir si Vincent Ognon, comment dire, se s'entête à vraiment jouer avec Angban en 6. Et le résultat que ça va donner. Et ça, je pense que c'est le plus important. Alors attendez, je fais juste le petit 11 de départ de la première mi-temps. Et on va pouvoir un peu en discuter. Hop. Et je vais mettre une deuxième image, vu qu'on ne sait pas encore. Hop, et voilà. Donc je disais oui, donc Udol blessé. Bah écoutez, hein, Udol blessé, donc on va voir comment ça va être pour Delaine. Hein. Delaine a une bonne carte à jouer. Par contre, si je suis très confiant, par contre, c'est important de le dire.
Je suis assez confiant sur l'axe Delaine-Henguette, parce que pour moi, Delaine-Henguette, c'est un très bon axe. L'axe côté gauche est plutôt bien, parce que dans le style de jeu d'un Henguette, avoir un Delaine sur le même côté que lui, c'est pas trop mal. Maintenant, c'est le risque que le jeu penche essentiellement à gauche si les ballons sont côté gauche, quoi. Encore une fois, il faut voir le schéma tactique qui sera employé, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire le schéma tactique qui sera employé à la fois sur ce match, mais encore plus, je dirais, lors de la du comment dire du lors de lors du début de la saison, quoi. Alors attendez, juste mettre l'image. Où est-ce que c'est que ça? Image. Hop. Donc là, vous avez à l'écran ce qui, en théorie, je dis bien en théorie, serait le. Alors que. Alors. Je vais juste mettre ça. Compo. Mince. C'est pas ce que je voulais faire. Compo. Première mi-temps. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire qu'on part sur ça. Pour l'instant, c'est un peu sur quoi on part. Maintenant, est-ce que c'est un 4-3-3 hybride ou est-ce que c'est un 4-3-3 normal? Pour l'instant, je parie sur un 4-3-3 normal. Maintenant, ne vous inquiétez pas que j'ai prévu l'image du 4-3-3 hybride. On fera ça en fonction de comment dire de ce que décide Vincent Lyon. Ça peut être très bien. Pourquoi je dis ça, hein? C'est parce que ça peut être très bien. Je vous montre tout, je vais le mettre tout de suite, hein, comme ça vous allez le voir. Mais en gros, voilà. En fait, attendez, je vais essayer de bien l'aligner pour que vous puissiez. En gros, c'est pas compliqué. Est-ce que ça va descendre en bas? Allez, s'il te plaît, descend. Voilà. En gros, soit on joue comme ça. C'est-à-dire qu'on joue en 4-3-3 normal avec Angban en 6, ou alors Maïga en 6, hein, et Angban peut être à la place de Maïga, hein, ça on verra ça dans les premières minutes du match, dans un système 4-3-3 traditionnel à ce qu'on voyait notamment en Ligue 2, avec Boulaya sur le côté, mais encore une fois, il peut rester en phase défensive sur le côté comme ça, et en phase offensive rentrer ici pour aider sur les phases offensives. Ou alors, ça peut être vraiment comme ça a été le cas lors du match contre la Gantoise, cette formation-là avec Boulaya qui est vraiment aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive, vraiment derrière l'avant-centre. Et en fait, Maïga qui a tout ce territoire-là à couvrir. Et si vous comprenez pas trop de quoi je parle, je vous conseille le débrief du match contre la Gantoise où j'explique très bien le travail que doit faire le joueur qui est au poste de Maïga. Parce que le joueur au poste de Maïga, bah, il a une énorme surface comme vous voyez à couvrir. Il a potentiellement un milieu de terrain à couvrir ici, et il a le latéral porteur de ballon des fois qui est ici. Donc il y a énormément de surface à couvrir, et généralement le meneur de jeu dans un 4-3-3 hybride, qui était le rôle occupé par Boulaya, reste ici. Voilà. Donc encore une fois, il faut voir vraiment ce que va faire Oignon. Est-ce que c'est un traditionnel 4-3-3 comme ça? Ou est-ce que c'est un 4-3-3 hybride, c'est-à-dire comme ça? Voilà. Donc pour l'instant, on va dire que allez, je vais un peu, on va dire, être. Comment on appelle ça? Provocateur. Je laisse ça. Parce que je suis provocateur. Je vais laisser le 4-3-3 hybride. Ça me fait rire. Luc qui dit j'espère Maïga en sentinelle, Angban, je n'y arrive pas. Je suis comme toi, Luc. Je suis comme toi. Pour l'instant, encore une fois, je comprends, et je l'ai dit dans le débrief du match contre la Gantoise, je comprends que Vincent Rognon cherche à vraiment mettre Angban dans le 11 parce que voilà, Angban a coûté de l'argent. Il faut à un moment donné que ce mec, tu l'intègres dans l'effectif. Je comprends la volonté. Maintenant, comme je l'ai déjà expliqué avec Grenat Forever lors d'une discussion qui a à peu près duré 3 heures, avec Grenat Forever, on s'est dit, mais le problème qu'il y a, c'est que Angband ne connaît pas ce poste de numéro 6. Il le connaît pas. Et comme je lui ai très bien dit, je vous rappelle que Endoram,
bien qu'il soit milieu défensif à de nombreuses reprises du côté de Monaco, quand il arrive à Metz, il a mis quasiment 6 mois à s'adapter, je dirais vraiment, et à pleinement exploiter le rôle de sentinelle du côté de Metz. Je vous laisse imaginer un joueur qui n'a absolument pas été formé ni en pré-formation ni en post-formation au poste de sentinelle. Quand il arrive à Metz, c'est absolument pas pour jouer sentinelle. Donc tout son développement ne s'est pas fait dans l'esprit de la sentinelle, encore moins dans l'esprit du 4-3-3 hybride, hein, puisque ben, il a quasiment jamais joué en tant que titulaire dans un 4-3-3 hybride, Angban. Donc aujourd'hui, la place de Angban dans l'effectif est très très compliquée. Parce que ce soit en sentinelle ou alors en milieu central droit, c'est-à-dire à la place de Maïga dans un 4-3-3 hybride, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas à l'instant T. Là où effectivement il est à l'aise, c'est dans ce schéma, dans celui-là. C'est-à-dire que si là il remplace Maïga, Angban, là il est à l'aise. Parce que le travail défensif et le travail de volume de jeu qu'on va lui demander, il est compensé par le positionnement de Boulaya. Boulaya qui peut avoir un travail défensif et donc à deux, ils peuvent bien gérer ce côté-là. Et donc dans ce cas-là, Angban à la place de Maïga, ça a du sens. Enfin, ça peut marcher. Mais là, si vous demandez vraiment à Angban d'être à la place de Maïga ici et de couvrir tout ça, bah bonne chance quoi. C'est pas quelque chose qu'il maîtrise, donc c'est très très compliqué. Et aujourd'hui, on sent que Vincent Rognon veut pas trop enlever Maïga de ce poste-là parce qu'il est conscient que le seul joueur qui aujourd'hui dans le 4-3-3 hybride, le seul joueur qui peut maîtriser cette gestion du côté droit, c'est Maïga. Bah, il se dit, ben, si j'ai pas envie de mettre Maïga en sentinelle parce que je sais que Maïga est le seul pouvant gérer ce côté-là, j'ai pas trop le choix. Faut que je mette Angban en tant que sentinelle. Et Fofana en plus maintenant est considéré en tant que défenseur central dans la rotation. Il n'y a pas 36 000 choix. C'est là où je disais avec Grenoble Forever que la construction de l'effectif me faisait penser qu'ils allaient abandonner la sentinelle. Là, de ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas envie d'abandonner la sentinelle. Maintenant, si le projet est défini par Vincent Rognon avec Frédéric Antonetti, puisque je sais que certains veulent qu'on le mette dans le panier, c'est de faire de Angban une sentinelle. Eh ben, je dirais, il a encore, si je prends ce match-là en considération, il a 3 matchs pour se développer au poste de milieu défensif. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Salut Johan, j'espère que tu vas bien. Nian ne peut pas remplacer Diallo en buteur. Ben, le Nian actuel peut pas. Ça, c'est un fait. Je veux dire, c'est très difficile aujourd'hui de parier sur Nian pouvant faire autant de choses qu'a fait Diallo. Je passe à côté du fait que le style de jeu n'est absolument pas le même. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué de dire que Nian peut entièrement remplacer Diallo. C'est possible qu'il le remplace en termes de stats. C'est possible, encore une fois. Personne a de boule de cristal devant soi. Mais c'est très difficile. Et donc, c'est pour ça que quand certains me disaient, oui, mais est-ce que tu es optimiste pour la prochaine saison? Et que je leur dis, mais moi, je signe pour une 17e place. C'est qu'aujourd'hui, vous enlevez votre buteur majeur et vous prenez un risque, un pari, qui peut être payant, de dire, je fais de Nian titulaire. Ça peut très très bien marcher comme ne pas très très bien marcher. Voilà. Donc, mais je souhaite que ça marche. Ça, par contre, vous pouvez en être sûr que je souhaite que ça marche. On veut vendre Diallo, mais on le met titulaire. Quel beau message envoyé à Nian. On met l'équipe type, mais on le met pas dedans. On met Habib, lol. Bah, en fait, ouais, c'est-à-dire que j'espère que le fait que Nian ne soit pas là, ce soit une question de blessure ou autre. Mais je suis d'accord que avoir un 11 qui est quasiment un 11 de titulaire et ne pas mettre Nian dedans, je suis d'accord que c'est un message pas très bien que tu envoies à Nian, hein. Alors, effectivement, j'espère qu'on va apprendre d'ailleurs que Nian était un peu blessé et que. Mais même si tu fais ça, même si Nian est blessé, c'est un mauvais message que tu envoies par conséquent au numéro 2 désigné pour ce poste, à savoir Thierry Ambrose. Automatiquement.
tu lui envoies un mauvais message. Donc est-ce que c'est un match d'adieu peut-être? Peut-être que c'est un match d'adieu. Mais encore une fois, on va me dire, mais attends, s'il se blesse là et qu'il est censé partir demain, par exemple, quel risque immense que tu prends à le faire jouer. Donc je suis d'accord que c'est très très bizarre de mettre Diallo titulaire. D'ailleurs, quand vous prenez la réaction des gens, on va la voir la réaction des gens, mais la réaction du peuple grenat. Moi, je vais évidemment mettre un commentaire. Diallo titulaire, c'est quoi? Attendez. Je vais évidemment mettre ça. Attendez, attendez. Quand même, je vais pas laisser passer ça quand même. Et moi, je suis d'accord avec vous, hein. Le message envoyé à Nian est absolument terrible, hein. Si c'est pas une blessure, ou même à Ambrose, hein, même à Ambrose, le message envoyé est absolument terrible. Loïc qui dit Delaine, c'est défensivement que ça coince. Sudol est tellement au-dessus, je trouve. Ben, ça, c'est un fait que Delaine, offensivement, est meilleur que Udol. On est d'accord dessus. D'ailleurs, je ne vais pas te dire que si jamais on n'avait pas eu Delaine lors du match contre la Gantoise, je peux te garantir que le match aurait été encore plus pauvre offensivement pour Metz. Déjà qu'il a été très très pauvre, il aurait été encore plus pauvre. Le truc qu'il y a, c'est que, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur, enfin, dans le débrief sur la Gantoise, et je vous conseille d'aller le voir après ce match. Mais j'explique très bien pourquoi il est important de ne pas dépendre que du côté gauche, parce que le côté gauche sur le match contre la Gantoise, ça a été le seul endroit en première mi-temps où on était dangereux. Quand vous regardez bien, c'était le seul endroit où au final, je veux dire, Metz a tenté des actions offensives, parce que, pour les raisons que j'ai expliquées, le changement d'aile vers le côté droit a pas pu être mis en place. Pour des raisons de transmission, parce que les joueurs n'ont pas su faire les transmissions rapidement, par souci de replacement défensif de la part de la Gantoise qui a eu un bon déplacement. Mais donc tu n'as dépendu au final que de Delaine sur la première mi-temps, quoi. Santons était en phase de reprise, donc il ne pouvait pas être autant offensif que d'habitude. Il a fait deux accélérations sur le côté quasiment tout le match, ou peut-être trois, je crois, notamment seulement que deux en première mi-temps. Donc tu vois, c'est pour te dire que Delaine, je dirais que c'est bien pour compenser, mais c'est dans un 4-3-3 hybride, c'est pas une solution. Et même défensivement, je suis d'accord avec toi que défensivement, je le trouve encore en dessous de Udol, et c'est la raison pour laquelle il a été mis de côté au final. À ajouter aussi à cela que Delaine a quand même eu une saison dernière plombée par les blessures. Et ça, il faut pas l'oublier. Blessure, je rappelle que 2000, si je me souviens bien, en 2019, Delaine se blesse en début d'année 2019, donc deuxième partie de saison 2019, il se blesse. Il se reblesse, si je me trompe pas, à la cheville, fin d'année 2019, donc en début de saison 2019-2020. Ce qui l'éloigne des terrains pendant quelques semaines, et c'est là où justement, ben, tu tentes de compenser sa blessure par Kaby. Malheureusement, pour les raisons que l'on sait, Kaby n'a pas pu aller au-delà d'un certain nombre de matchs, et donc derrière, tu devais te rabattre sur Udol. Mais à la base, Delaine perd sa place de titulaire parce qu'il se blesse. Et Udol a répondu présent, notamment lors du match contre Marseille, et c'est ce qui a fait que ça lui a donné beaucoup de crédit aux yeux de Vincent Lyon pour continuer avec lui, et le reste de la saison lui a prouvé que ce choix-là était le bon au final. Ah, nouvelle compo, Diallo n'est plus là, remplacé par Nian. Pardon? What? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait le FCMS? Y a vraiment une nouvelle compo, vous êtes sûr? Je vais voir, hein, mais. Hein? Ils l'ont supprimé ou pas? Ils l'ont supprimé. Oh, oh là là, nom de Dieu. Mais c'est. Oh non, mais vous êtes sérieux? Non, mais lol quoi. Ah, oh, mais lol, ce changement de dernière minute.
Alors après, attention, hein. Oh non, sans déconner. Ça, alors, alors, honnêtement, franchement, attendez. Voilà, j'écris tellement mal par contre, c'est absolument terrible. Non mais franchement, moi j'aimerais que l'on parle de ça de manière très très sérieuse. Selon vous, qu'est-ce qui fait que on ait eu une composition avec Diallo au départ, et puis que une seconde après, le tweet qui a annoncé la titularisation de Diallo ait été enlevé, et qu'à la place, on ait une Yann? Qu'est-ce qui, selon vous, fait ça? Quelle est la raison? Je vous invite à me mettre votre suggestion dans le chat, votre réponse. Allez-y. Pep Oignon a sûrement pris en compte les commentaires sur Twitter. Bien sûr, évidemment. Oh là là, putain, je te jure. Blessure à l'échauffement? Blessure. C'est que ça... Ah donc, salut Guillaume et salut Ice Wolf, salut Fisherman. 8 changements de compo en dernière minute, toujours prêt à faire des blagues, ce bon vieux essai. Blessure, blessure. Blessure, blessure? Bon bah si je vous fais confiance, si vous me dites que c'est blessure. Si c'est blessure, bah y a pas de soucis quoi. Globalement oui. Alors qu'on vient de s'abonner, je vais voir qui c'est après. Mais c'est vrai que... Alors, qui c'est qui s'est abonné? Moonskin! Merci à toi, Moonskin. Ça fait énormément plaisir. Merci de t'avoir abonné à cette chaîne. Bah, j'espère que c'est une blessure, hein. Certains vont dire que c'est encore un complot pour nous faire croire qu'il est blessé, alors qu'en réalité, il est pas blessé. Ah, vous savez, Grenat Forever, il adore ce genre de choses. Le hic, Metz a une offre pour Diallo de dernière minute, ou simplement le SEM qui a foiré. Franchement, le SEM qui a foiré, c'est quand même compliqué parce que tu fais quand même un travail sur Photoshop, quand même, pour faire la composition, tout ça, tu vois, tu fais un travail pour faire le visuel avec Diallo dedans. Donc, est-ce que c'est de l'incompétence? Après, il faut le poster après, tu vois. Alors, peut-être qu'effectivement, c'était pas prévu, mais si vous me dites que c'est blessure, je crois à ceux qui disent que c'est une blessure. Je vous crois entièrement, donc n'y a pas de souci là-dessus. Alors je rappelle que le match, pour ceux qui ne savent pas, le match est retransmis normalement sur le Facebook du FC Metz ainsi que sur le site de Via Moselle TV. Moi je regarderai sur le Facebook du FC Metz personnellement. Évidemment, match non diffusé, enfin que je ne diffuserai pas parce que vous savez, il y a des questions de droit TV. Que je respecte amplement et donc raison pour laquelle je ne vais pas vous montrer le match à l'écran, bien évidemment. Même si le match est mis sur Facebook, il est quand même, il y a quand même une attribution de droit TV, même une production faite par Via Moselle. Le minimum est de respecter cela, bien entendu, et donc de ne pas montrer, de ne pas montrer les images. Je t'abec, je pense que c'est parce que Nyan y est venu Glock à 18 à la 20. Non mais ça serait toujours marrant parce que moi je pense que c'est possible. Le cas de figure où entre guillemets le mec voit la feuille de match, il voit qu'il est pas titulaire, il dit mais c'est quoi ce bordel? Ah pardon, c'est trompé. Cas de figure qui peut avoir lieu, tu vois, donc non, mais en réalité, franchement, si c'est l'histoire d'une blessure, voilà. Mais encore une fois, en fait, je prie quand même que ce soit pas une question de blessure, parce que si c'est vraiment une question de blessure qui fait qu'il est enlevé comme ça d'un instant à l'autre du 11 de départ, ça veut quand même dire qu'au final, Nian n'était pas la première solution déployée sur ce match dans un 11 qui est quasiment un 11 titulaire. Je veux dire, voilà quoi. Donc, dans tous les cas,
Dans tous les cas, le message n'est pas bon. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je vais faire? Je t'abec, il faudrait faire un compte même sur FCMS, les gars. C'est-à-dire, je t'abec, Ah, faire un compte FCMS sur YouTube. Ben, en fait, oui, mais encore une fois, c'est une question de volonté après, quoi. Oh! Ah oui, effectivement. Alors, effectivement, c'est hors FCMS, mais je vais quand même vous le montrer, quand même. C'est effectivement... c'est assez triste, là. Je suis en train de voir un truc, effectivement, ce que Grenade Forever m'a envoyé, aussi. Il y a comment il s'appelle? Ancien entraîneur de Brest, très connu du côté de Brest. Il y a Alex Dupont, emblématique de Dunkerque, mais surtout de Brest, hein, qui malheureusement est décédé. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ouais, effectivement, Alex Dupont qui est malheureusement décédé. Oui, effectivement, enfin un compte FCMS, ben oui, après encore une fois, ils peuvent. C'est pas compliqué de le faire, hein. Enfin, je veux dire, on a déjà eu assez de débats là-dessus, c'est pas compliqué de faire un compte YouTube FCMS. L'implémentation des vidéos de YouTube, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour expliquer en gros, ils utilisent pour mettre des vidéos sur leur site internet, ce qu'ils font le FCMS, c'est qu'en gros, ils utilisent le player, c'est-à-dire le module de lecture de Dailymotion, pour mettre des vidéos sur leur site internet. Et donc, ils postent les vidéos sur leur compte Dailymotion FCMS et ils intègrent le lien de cette vidéo-là sur le site. C'est ce qu'ils font. Rien ne les empêche effectivement de faire sur YouTube aujourd'hui. Et je veux dire, je veux pas paraître, comment dire, je veux paraître taquin. Vous allez me dire, oui, mais tu es taquin, Socket, pourquoi tu es comme ça? C'est pas bien de rabaisser, patati patata. Bon, je vais vous montrer un truc. Attendez une seconde, je vais juste vous montrer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je troll évidemment, hein, c'est du gros troll, hein, ne prenez pas ça au sérieux. Voilà, ils ont 358 abonnés. Moi aujourd'hui, si je veux vraiment troller jusqu'au bout. Je vais vous montrer ce que c'est le troll jusqu'au bout. Le troll jusqu'au bout, c'est ça, quoi. Ça, c'est le troll aujourd'hui. Voyez? Ça, c'est le troll. Mais encore une fois, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourrait évidemment avoir énormément de gens qui les soutiennent, tout ça. C'est juste une question de volonté, en fait. Voilà. Il y a la compo, on voit pas. Oui, en fait, c'est que je vais. Icewolf. En fait, en gros, c'est que j'ai fait une première compo. J'ai fait une première compo sur. Comment dire? Sur demi-volée. Je vais la remettre, t'inquiète pas, Icewolf. 2 secondes. En fait, j'avais fait une première compo avec Diallo titulaire, mais ça a changé, forcément. Voilà. Attendez, voilà. Ça, c'est la compo, vous avez à l'image la compo de... La compo, en gros, hybride. Avec Nian devant. Voilà. Donc, Ice Wolf, c'est la compo. En gros. Voilà. -3 hybride pour l'instant, hein. Encore une fois, ça peut être un 4-3-3 normal. Ice Wolf, y a pas de. On sait pas, hein. On verra bien. Mais donc, ça, c'est la compo de la première mi-temps.
Je tapais qui dit non, mais comme pour PSG, pour PSC ou même qui font des petites vidéos sur leur avant-match ou quoi. Oui, c'est ça, je tapais, c'est exactement ça. Ou alors pour faire ce qu'ils avaient déjà fait, tu sais, Nice le fait très bien, tu sais, genre des zappings des réseaux sociaux ou alors de l'inside. Et ça, je trouve que c'est un truc qui manque énormément à Metz, c'est beaucoup d'inside. Il manque beaucoup d'inside. On n'a pas d'inside, tu sais, des choses un peu vraiment intime dans l'intérieur de ce qui se passe au FC Metz. Ça, c'est très prisé par les supporters parce que on est toujours un peu intrigué de savoir comment ça se passe, quel est l'envers du décor. Et ils pourraient le faire, tu vois. Mais encore une fois, je pense pas que c'est un problème de moyens, c'est un problème de volonté aujourd'hui. C'est tout. Ce n'est qu'un problème de volonté. Sefs Grenat, salut Sefs Grenat. J'espère que tu vas bien. Tu nous fais le lever tôt. Bah, le match est à 10h30, Sevs. Qu'est-ce que je. Ça, c'est. C'est le FC Metz hein, qui déplace les matchs. Hein. Moi, je veux bien, Sevs Grenat, faire le live l'après-midi, mais ils veulent pas. Donc, je dis, bah, ok, bah, dans ce cas, je fais le live plus tôt. Hein. Non mais je veux dire, tu l'as pas enlevé quand t'as montré le Dailymotion, du coup on n'a pas vu Dailymotion. Ah oui, pardon Ice Wolf, pardon, excuse-moi, oui c'est vrai, pardon. Donc je disais effectivement, rappel, effectivement, donc ce que je disais pour troller pour ceux qui l'ont pas vu, c'est ça en fait, voilà. Pour rappel pour ceux qui l'ont pas vu, en gros je disais que... Ça c'était le FC Metz aujourd'hui, voilà, c'est ça le FC Metz aujourd'hui sur Dailymotion. Beaucoup de vues, hein, mais bon après c'est l'implémentation sur le site internet qui fait qu'il y a beaucoup de vues. Hein. Mais aujourd'hui ça c'est le FC Metz. Voilà. Et moi pour troller je disais ça c'est notre chaîne. Et encore une fois on s'en fout du nombre d'abonnés entre guillemets, mais c'est pour le troll que je vous dis ça. Je vous dis juste, voilà, il pourrait évidemment être beaucoup plus, on va dire, ouvert sur tout ce qui est digital et être beaucoup plus populaire et surtout toucher beaucoup plus la communauté du FC Metz. En prenant en considération le fait d'aller par exemple sur YouTube. Rien que ça. Pépito, va sur le site internet de Mirabel de Via Moselle TV. Et normalement, tu as le match. Ouais, à toute, je t'abec. N'hésite pas à laisser le live en fond, hein, puisqu'on va un peu commenter le match quand même, donc tu peux laisser le live en fond. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, aussi, voilà, donc vous avez vu, on est à 530 abonnés, ce qui est absolument... D'ailleurs, il faut que je change d'ailleurs le truc, parce que c'est... Parce que vous êtes cinglés, en fait. Franchement, votre soutien est absolument génial, comme j'ai dit lors de la dernière vidéo sur... Sur le débrief du match contre la Gantoise, votre soutien est absolument génial, donc merci beaucoup. Hein. Objectif 600 abonnés, donc ceux qui ne se sont pas abonnés encore, vous pouvez vous abonner. Ça fait énormément plaisir si vous faites cela. Voilà, c'est un petit soutien, c'est gratuit en plus. Hein. Donc vraiment, ça fait plaisir. N'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, le petit bouton s'abonner. Sèvres Grenat, je taquine, toujours un plaisir de vous écouter, peu importe l'heure. Ouais, merci Sèvres Grenat. Et en gros, merci, j'ai vu ta dernière vidéo, alors c'est il y a quelques temps qu'elle était sortie, hein, sur les ultras du FC Metz. Aussi sur la. C'était sur le derby Metz-Nancy. Je fais attention à tout ce qui se passe évidemment sur YouTube et notamment toutes les chaînes qui parlent du FC Metz. C'est bien d'avoir de la diversité, donc c'est super ce que tu avais fait aussi, je peux te dire. Je crois que j'avais laissé un commentaire ou un truc comme ça. Ça fait énormément plaisir ce que tu fais aussi, Sèvres Grenat. Clément qui dit Diallo n'est pas titulaire finalement. Et non! Non. D'ailleurs, je vais remettre la compo. Si c'est un 4-3-3 hybride, ça c'est la compo, normalement. Si c'est un 4-3-3 normal, c'est ça la compo. Je vais laisser l'hybride parce que comme j'ai dit, j'aime bien taquiner le oignon. Donc je laisse le 4-3 hybride. Bravo votre chaîne et le contenu, je prends beaucoup de plaisir à écouter vos podcasts. Merci Yann, ça fait énormément plaisir. C'est super sympa d'avoir de tels retours. Il y en a beaucoup qui nous font de très bons retours. Et encore une fois, on se prend pas la tête, on fait quelque chose, voilà, où on a juste trouvé un moyen, je dirais. Notamment avec Grenat Forever, vous savez, pendant très longtemps, on a fait des discussions pendant quasiment
3 heures sur le FC Metz, et en gros on s'est dit bah ouais ben si on transposait ces discussions-là de 3 heures en podcast sur des sujets bien précis, et on a dit ben go quoi. Moi là-bas j'avais eu l'idée là, j'ai dit ouais Grenat Forever j'aimerais faire ça, est-ce que t'es partant pour le faire? Grenat Forever m'a dit ouais pas de soucis, ben, on a voilà quoi. Donc j'ai lancé avec Grenat Forever cette chaîne et puis ça nous fait énormément plaisir de parler du FC Metz quand on peut en parler, bien sûr. Bah oui, Derfi, allez, Metz, bien sûr. Plus logique de commencer avec Nian titulaire. Bah oui, c'est logique. Enfin, c'est pas que c'est logique, mais quand tu alignes à 11 quasi titulaires, si effectivement c'est pour te passer de l'avant-centre qui est censé être ton titulaire la saison prochaine, le message envoyé est absolument terrible. Je suis d'accord, donc. Maintenant, là, effectivement, est-ce que c'est une blessure ou pas? Ça, c'est important parce que si c'est une blessure de Diallo qui fait que Nian est titulaire, automatiquement, ben, t'es obligé de te dire que le message envoyé à Diallo est absolument terrible, quoi. Derfier, va sur. T'es en vacances, alors soit tu vas sur Internet, tu vas sur via Moselle TV, enfin sur leur site Internet, pardon. Et tu peux voir normalement le match, si j'ai bien compris. Ou alors il y a les Facebook. Facebook de Metz, le Facebook de Mechelen, donc de Malines, pardon. Également qui montre le match, normalement. Et aussi il y a un YouTube, je crois, il y a le YouTube de Malines qui montre également le match. Pour info. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Moi déjà, je voulais montrer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a été tweetées par Metz? On va vous laisser le chauffon. Donc le match a lieu sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien. D'ailleurs la pelouse qui a l'air absolument nickel. La tribune d'air, j'en parle pas. Hein. D'ailleurs on voit qu'ils sont en train d'installer le bas de la sud. Hein. En gros la sud basse. En gros qui est en train d'être installée ici là. Voilà. C'est beau. Comme on dit, c'est beau. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai pensé à un truc. Oui. Intéressant si le 4-3-3 qu'on met en place est un 4-3-3 normal et pas un hybride, je serais très intéressé de voir où va être mis Tchimbembe. Ça, il faudra surveiller ça aussi. En deuxième mi-temps, si jamais il rentre en jeu. Très intrigué parce que Tchimbembe, on l'a vu milieu central gauche lors du match contre la Gantoise. Alors malheureusement, Tchimbembe a pas eu beaucoup d'occasions de se montrer et notamment parce qu'il a pas eu beaucoup de situations où il avait la balle dans les pieds en fait. Donc il n'a pas trop cherché à diriger le jeu, alors que c'est d'habitude un joueur qui aime bien un peu diriger le jeu. Là, il n'a pas eu l'occasion de le faire, pas eu beaucoup de ballons en fait sous le pied et donc il est assez absent. En fait, de son entrée en jeu, mais encore une fois, relativisé, première entrée en jeu, dans un schéma qui, en plus, n'est pas forcément le schéma utilisé pour le début de la saison. Mais en tout cas, il est rentré bien pour remplacer Pajot. Donc, intriguant de voir s'il rentre en jeu, comment ça va être. Loïc qui me demande prochain match pour Wagner, tu penses? Bah, c'est pas que je pense, j'espère. Parce que, mine de rien, après ce match, il va rester deux matchs amicaux. En théorie, un seul parce que le match de Strasbourg est annulé. À l'instant où on le parle. Mais c'est pas impossible qu'il y ait le match autre part, sur un autre stade, ou alors face à un autre adversaire. Mais s'il reste deux matchs amicaux, et que le projet d'avant le début de pré-saison, c'était de mettre, comment dire, Wagner de l'11 de départ. Ne pas pouvoir, ne pas avoir pu, entre guillemets, faire une préparation avec le reste des potentiels titulaires, c'est très problématique.
Donc là, Wagner est en phase de reprise. D'ailleurs, c'est un point qui avait été rappelé par Wagner, mais qu'à l'époque, personne n'avait pris en considération. Moi, j'avais dit que c'était à surveiller quand même, c'est que quand il arrive à Metz, il est déjà blessé. Et moi, j'avais dit, attention quand même, il est encore blessé. Ça peut affecter la préparation d'avant-saison. Faut faire attention. Et là, de ce que l'on voit, ça affecte la préparation dans le sens où aujourd'hui, si des joueurs se montrent comme par exemple Boulaya, parce que, encore une fois, nous, on pensait que Boulaya, c'était le joueur le plus, je dirais, vulnérable si on faisait un 4-3-3. Celui qui risquait le plus de sauter du 11, on pensait que c'était Boulaya. Naturellement. Là, Boulaya, si il a encore de l'occasion de s'exprimer et de jouer, et qu'il joue plutôt bien, je suis Wagner, je ne suis pas confiant, quoi. Alors après, Wagner peut être content, c'est qu'il a été acheté près de 3 millions d'euros. Ce qui fait que, mine de rien, quand tu es le FCMS et que tu achètes un joueur à ce prix-là, quand t'es le joueur, t'es content de te dire que Metz a mis autant d'argent sur toi, quoi. C'est pour ça que je dis ça, mais c'est très problématique, je dirais de, comment dire, de que ce soit pas réglé en fait, c'est ça que je veux dire. Alors attendez, ils ont juste réglé ça. Où est-ce qu'on est? Est-ce que le FCMS a le FCMS a pas encore lancé le live? Si, ils sont en train de lancer le live. Ils sont en train de lancer le live. Sur Graolimag aussi. Là, à l'heure actuelle, il y a. Ils sont en train de parler avec. Merde, comment ça s'appelle? Il y a Vianney, Trice Kaiser, qui est en train de parler du match, de présenter. D'ailleurs, si vous voulez, je vais partager le live du FCMS sur la page La Maison du Grenat. Vous êtes plus de 47, c'est bien les gens. Alors encore une fois, je répète, on diffusera pas le match hein, pour évidemment pas vous faire. Je vais pas entre guillemets vous. Vous, je vais pas vous faire, on va dire. Attendez une seconde, j'ai vite fait. Je vais pas. Je vais pas vous faire, comment dire. Je vais pas vous laisser dans le doute, hein, mais effectivement, on montre pas le match. Hein. On montre pas le match, si vous voulez je vais mettre le lien par contre, ça c'est clair. Tout de suite je vais le mettre sur... Attendez 2 secondes. Oula, c'est pas ça que je voulais faire, absolument pas. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Misère. Terrible. Hop, je fais juste petite copie de ça. Je l'ai mis sur le, j'ai mis sur le, comment dire, le. Attendez une seconde, je règle juste ça. Ok, d'accord. Ça c'est réglé, c'est bon. Hop. Je vais vous mettre le lien du live. Enfin, le live du live. Le direct, pardon. Je suis un peu fatigué.
voilà, on sait jamais. Là, vous avez eu le son. Attendez une seconde. Je vous mets le lien du de Mirabel TV pour ceux qui l'ont pas. C'est beau les sièges grenades, dit Fred. Ouais, Fred, c'est beau. Vivement que tout le stade soit en grenade. Diallo sur le banc, la théorie de la blessure est peu probable s'il est sur le banc. Ah bah clairement, oui. Donc c'est peut-être vraiment une couille de la part de la communication d'avoir déclenché tout ce raz-de-marée avec d'abord Diallo titulaire, puis après Nian, tu vois. Ça serait énorme. Franchement, ça serait absolument énorme qu'entre guillemets ce soit absolument pas prévu, tu vois. Franchement, ça me ferait trop rire. Il y a des équipements qui devenaient vétustes. Oui, les équipements vétustes, on a compris. Alors, par contre, alors, si je dis ça comme ça, hein, je vous conseille d'aller sur le live du FCMS parce que le live du FCMS c'est en avance par rapport à celui de Mirabel. Je dis ça, je dis rien. Allez sur le Facebook du FCMS, vous êtes en avance par rapport au live de. Enfin, par rapport au direct de Mirabel TV. C'est un conseil que je vous donne, hein. Faites ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez, mais. Je peux vous dire qu'on est en avance par rapport. Ouais, on en avance. Je viens de faire le test. Donc, on a toujours ces maillots absolument incroyables. Ces maillots d'entraînement un peu bizarres. Donc on a toujours pas les nouveaux maillots. Hein. Pour ceux qui veulent, on a toujours pas les nouveaux maillots. En gros, pour vous montrer comment c'est... Attendez. Est-ce que... Et je vais... Voilà. Je coupe dès que le match commence, je coupe. Attendez. Hop, attends, le match il va commencer à l'instant. D'ouf, le CM, c'est Robert Santin, alcoolo depuis 10 ans. Non, Loïc, quand même pas. Non, mais c'est intéressant, moi je dis que c'est... Je dis que c'est intéressant à un moment donné de voir cela. Bon alors, l'engagement va être fait par Nian. Nian qui fait l'engagement et le match commence. C'est parti, le match commence. Alors pour l'instant, Boulaya, je regarde son positionnement. Donc là, nous avons... Et par contre, nous avons bien... Attendez. Je crois que c'est Maiga qui est en 6. C'est pas... Qui c'est qui est en 6? C'est Maiga? Là, vu la qualité de passe, je peux vous dire que c'est peut-être pas... Ok, 111 qui est très très haut. 111 attaque de 111 côté droit. Centre de 111. Et... Ouh, la tête dangereuse. Entrée, sortie de but, tête de Opa Nguette dans la surface. Une tête qui sort pour 6 mètres pour Maline. Super action d'entrée, lancement côté droit. Donc là, je suis en train de voir exactement comment on joue parce que c'est intriguant. Là, sur la phase défensive, j'ai l'impression que Boulaya est pas axial. Et donc, pas jouer beaucoup plus haut. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est sur un 4-3-3, on va dire un 4-3-3 normal, c'est-à-dire celui-là, que vous avez à l'écran. Attendez une seconde. Est-ce que je peux agrandir ? Aujourd'hui. Hop, je coupe le son quand même. Donc, par contre, j'ai l'impression... Alors, par contre, je regarde le film, mais j'ai l'impression... Que effectivement, Maiga joue en 6. Donc désolé Grenat Forever, hein, désolé de te décevoir, mais Maiga joue en 6. Voilà. Salut tout le monde, hein. Je l'avais dit, hein, les gars. Hein, c'est... Hop. Alors, je peux enfin changer ce truc. Attendez une seconde. Voilà. Maiga joue en 6. De ce que je suis en train de voir.
Ça va peut-être changer. Hein. Alors attendez, parce que là c'est très bizarre pour l'instant. Ils ont à nouveau changé. Non, je crois que c'est bien Maiga en 6. Je dis ça parce que Maiga est beaucoup plus centré. Et par contre, Angbon est vraiment sur le côté droit. Angbon est sur le est milieu central droit. Donc c'est confirmé. C'est bien Maiga en 6. Angbon, milieu central droit. Et donc Boulaya qui est les droits. Donc on est vraiment retourné sur le 4-3-3. Le 4-3-3 traditionnel que l'on avait vu notamment en Ligue 2. La seule différence, c'est qu'à l'époque, Fofana avait été milieu défensif en première partie de saison Ligue 2. On avait également Maiga qui a pris le poste de milieu défensif très souvent en deuxième partie de saison lors de la saison 2018-2019 de Ligue 2. Et donc là, on revient à ce système-là. Donc ça confirme, qu'est-ce que ça confirme pour ceux qui se posent des questions? Ça confirme qu'à l'heure actuelle, Vincent Ognon fait à nouveau un test tactique. Même si certains vont me dire qu'on avait déjà vu les prémices de ce 4-3-3 normal lors du match contre Charleroi, et notamment la deuxième mi-temps, je crois, du match contre Charleroi, puisqu'à un moment donné, Maiga était replacé milieu défensif, dans un 4-3-3 normal. Là, de ce que je vois, c'est que Boulaya, par contre, est vraiment collé côté droit. Et il peut rentrer dans l'axe quelquefois. Donc voilà. Quatre normal, et donc comme on l'a dit, Maiga en 6. Hein. Allez hop. Donc je l'ai dit, hein, vous pouvez laisser les commentaires à côté, je vais essayer de commenter le plus possible le match, et puis vous regardez le match en même temps sur les liens que je vous ai indiqués, comme cela. Et si vous avez des commentaires à faire sur le match, mettez-les dans le chat, hein, du live, hein, moi je surveillerai s'il y a des questions et autres, vous me le dites, et comme ça on peut un peu débattre du match. Là pour l'instant, c'est assez équilibré. Donc là vraiment, vous voyez, il y a Angban, vous voyez qu'Angban est vraiment sur un côté là, dans le 4-3-3 normal. Donc là, en théorie, défensivement, maintenant l'équipe est beaucoup plus équilibrée, puisque comme on a vraiment trois milieux, dont je dirais deux milieux qui sont vraiment dédiés à une tâche, vraiment, on gère vraiment tout sur les côtés. Voilà. Donc là, voilà, Pajot a réussi à renverser le jeu, donc c'est l'avantage, c'est que Pajot maintenant peut renverser le jeu. Et là, Boulaya sur le côté, accélération de Boulaya sur le côté droit depuis la ligne de touche, il rentre dans la surface, il essaie de rentrer dans l'axe, frappe à l'extérieur de la surface, et le tir de Boulaya, qui malheureusement n'est pas cadré, qui sort en sortie de but de 0-0, 5 minutes 30 de jeu. Pour l'instant, Metz est bien en jambes, il y a des actions qui sont intéressantes de la part de Metz. On sent quand même qu'il y a... Il y a extrêmement de mobilité de la part du milieu de terrain. C'est-à-dire que là, vous ne voyez peut-être pas, mais en gros... On sent vraiment de la part de Metz une volonté d'être assez mobile au milieu de terrain. On reste pas forcément en place, même s'il y a une tendance. Mais on voit, voilà, que on essaye un peu d'anticiper en fonction des mouvements de l'adversaire. Angban est vraiment sur le côté. Enfin, il est dans un milieu à 3, il est sur le côté, mais il n'a pas peur des fois de redescendre même au niveau de Maiga s'il voit qu'il y a plus de joueurs sur le côté droit de Metz pour anticiper. Quoi. Là, on voit même Maiga qui des fois sort même sur le porteur du ballon pour faire un pressing et directement se replacer derrière au niveau du poste de sentinelle. Et par contre, Pajot a un rôle très offensif dans ce milieu de terrain. Il est vraiment dans ce que je disais... Dans certains débriefs de match, c'est que Pajot est capable de vraiment monter des fois aux avant-postes pour vraiment accompagner les actions, et il veut être présent aux avant-postes.
Bon, bon travail de boy là pour la conservation de balles. Ah là, bon, tu vois. Il y a toujours ces housses horribles au business club là, c'est absolument terrible. Hein. Si vous pouvez voir le live, les housses couleur délavée là, c'est absolument terrible. Au niveau de la West de la West médiane. Faudrait penser à les changer un jour, non? Peut-être. Bon, toujours 0 à 0, relance de Okidja Rater. Donc là, vous voyez ce que je disais sur Maiga, c'est que là, Maiga, par contre, va redescendre maintenant beaucoup sur les relances. Il va essayer de redescendre bas pour participer à la relance. Hein. Et là où je vous disais, c'est qu'il est beaucoup plus à l'aise techniquement que ne l'est Angban, donc il va pouvoir plus facilement aider à sortir la balle de derrière vers l'avant. Donc là, il est assez bas quand même. On voit même, bah, comme vous pouvez le voir, même un Pajot redescendre. Parce que c'est. Voilà. Et là, Pajot envoie devant. Alors. Voilà. Il envoie devant pour Engate sur le côté gauche. Hein, donc, ça, c'est la qualité technique de Pajot. Hein. Ah, oh là, super faute provoquée par OpenGate. Alors, faute un peu dure hein, sur OpenGate. Faute sifflée contre Maline à l'entrée de. Enfin, côté gauche. Pas très loin du poteau de corner. Coup franc pour Metz à venir. Excentré côté gauche. C'est là où c'est très intéressant d'avoir Maiga en 6, c'est que Maiga est à l'aise techniquement. Pajot redescend aussi pour rediriger le jeu. Mais c'est là où Angban était très peu recherché lors de ces matchs où il était en sentinelle. Parce que clairement, on ne le sentait pas à l'aise. Il avait du mal à participer à la relance depuis l'arrière. Et donc là, ben là, quand vous avez Maiga et Pajot derrière, ça va tout de suite beaucoup mieux dans la relance, quoi. Surtout dans l'idée de sortir la balle depuis derrière, quoi. Coup franc de Boulaya, coup franc tiré par Boulaya directement, qui est arrêté par le gardien de Maline, qui repousse la balle. Et là, Maline tente de ressortir la balle. Faute de Boulaya sur un joueur de Maline. Coup franc pour Maline, qui va tenter de dégager son camp. 10e minute de jeu, 0 à 0 pour l'instant entre Metz et Maline. Donc là, Maline qui tente un peu de ressortir la balle quand même. Donc là, c'est intéressant de voir comment va se comporter Maline par rapport à la Gantoise mardi dernier. Ils sont très au niveau du milieu de terrain, Maline. Hein. On sent une présence au milieu de terrain. Vous voyez, il y a déjà 5, 6, 7 joueurs, 8 joueurs dans le camp de Metz, alors qu'ils n'ont absolument pas franchi la. Ils sont même pas à la moitié du terrain de Metz. Et donc là, ça joue long côté gauche. Ça tente d'organiser quelque chose. La balle est pour un joueur de main. Récupération de Opa Nguette qui remet sur Pajot. Pajot qui se fait faucher. Faute de Maline sur Vincent Pajot. Et on appelle les soigneurs. J'espère que c'est pas grave parce que il se touche la cuisse, Pajot. Non, il a l'air de se relever, c'est bon. C'est bon, Pajot se relève. Ça fait un peu mal quand même, hein. Ouais, ça fait un petit peu mal là pour Pajot, là, mais Pajot se relève. Relance depuis Dylan Brown, John Boy sur le côté gauche pour Delaine qui remet sur Maiga qui, voilà, comme j'ai dit, très bonne agilité technique, hein. Pajot qui, voilà, va même des fois redescendre quand Maiga va un peu plus devant, il redescend derrière pour voir s'il peut participer au non-jeu. Santons qui récupère la balle côté droit, qui malheureusement rate sa passe totalement ratée contre de Maline qui est à l'entrée de la surface et qui malheureusement. Ah non, il récupère à nouveau la balle, Maline qui amène la balle côté droit, centre dans la surface pour Maline, tête d'un joueur de Maline qui malheureusement sort en sortie de but. Faire attention, monsieur Santons, sur les transmissions de balles. Faut pas qu'il hésite à s'appuyer sur Maiga ou sur Pajot qui redescendent bien pour diriger le jeu. Donc là, Okidja qui va relancer depuis la surface Messine. 12e minute de jeu 0 à 0 pour l'instant. Et finalement, on joue court sur John Boy.
qui redonne la balle à Oukidja. Oukidja qui va redonner la balle à nouveau à John Boy. John Boy qui la donne à Pajot qui est redescendu très très bas, quasiment au poste de sentinelle, comme je vous le disais, pour participer à la construction du jeu. Voilà, à nouveau Pajot qui a la balle. Pajot qui change de côté carrément. Maïga qui est redescendu très très bas pour parier. À nouveau participer à l'organisation du jeu, qui donne sur Thomas Delaine. Thomas Delaine qui fait un grand pont sur le joueur de Malines qui est sur le côté gauche, qui est quasiment à l'entrée de la surface. Centre de Delaine, centre qui est dévié par un joueur de Malines. Est-ce que Pajot va réussir à... Non, c'est Pajot qui tente de récupérer la balle, qui va au duel physique avec un joueur de Malines. Malines qui réussit à se dégager, mais malheureusement redonne la balle pour Fabien Santons. Fabien Santons qui récupère la balle. Boy qui donne la balle à Maïga. Maïga à Braun. On redonne la balle à Angban. Pajot qui redonne la balle à Braun. Braun qui donne à Angban. Angban qui est pressé, qui réussit à sortir de deux joueurs. Qui donne la balle à Maïga. Maïga au milieu de terrain lance Delaine côté gauche. Centre Delaine côté gauche. Le centre qui est arrêté par le gardien de Malines. Malines qui relance le jeu côté droit, qui joue long côté droit et qui perd la balle vis-à-vis de John Boy. Ah, malheureusement, Boulet qui perd la balle, qui donne la balle à Malines. Finalement, John Boy récupère la balle. Oukidja qui va dégager le camp du FC Metz sur la tête d'un joueur de Malines qui envoie la balle en touche. 14e minute de jeu, 0-0 pour le moment. On sent l'activité de Metz qui, pour l'instant, sur les actions en tout cas, se dirige vers le côté gauche. Hein. On utilise pleinement les capacités de Delaine, capacités offensives. Et donc, pour l'instant, le jeu est lancé côté gauche plus que le côté droit de Fabien Santons. Alors que là, il y a une faute un peu rude de la part de Pajot sur un joueur de Malines. Faute jouée rapidement par Malines. Malines qui tente de sortir la balle... depuis l'arrière, qui rejoue avec le gardien. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a ce que je suis en... Est-ce que c'est ce que je... Oui, donc là, on est en train de vivre ce qu'on avait vécu la saison de Ligue 2 notamment. Boulaya, qui à la base a démarré côté droit, open gate côté gauche, là, on a décidé de switcher. C'est-à-dire, Boulaya est passé côté gauche, open gate côté droit. Centre de Malines, oula, le centre très dangereux de Malines côté droit. Il y avait deux joueurs dans la surface qui étaient quasiment libres de tout marquage et qui n'ont pas pu malheureusement réceptionner ce centre côté droit. Et la balle sort en sortie de but. Très dangereuse cette action de la part de Malines. Un peu une incompréhension entre Dylan Braun et John Boy. Mais ce qui va tenter de ressortir la balle depuis sa surface. Donc là, on sent vraiment que là, ceux qui essaient d'organiser le jeu depuis l'arrière, c'est Maïga et Vincent Pajot. Comme j'ai dit, ça change pas. Là, on voit même Boulaya redescendre très très bas aussi. Boulaya qui envoie en profondeur open gate. Malheureusement, la balle est arrêtée par le gardien de Malines. Donc là, on sent quand même que les rampes de lancement vont être autour de trois joueurs. Hein. C'est-à-dire que les rampes de lancement, Pajot, Maïga, Boulaya... qui vont tenter d'envoyer la balle en profondeur, notamment pour Open Gate et pour Nian. Pour l'instant, Angban est très passif. Il a eu une action, il a réussi à se démarquer de deux joueurs en dribblant. Mais pour l'instant, Angban est très passif. Hein. Très bonne récupération de Fabien Santons, qui donne la balle à Dylan Braun. Dylan Braun qui, depuis l'arrière... donne à Oukidja. Oukidja qui relance sur John Boy. John Boy qui cherche un partenaire, qui donne la balle à Victorien Angban. Victorien Angban qui a la balle, qui tente, qui change de côté, qui malheureusement rate son changement de côté et envoie la balle en touche. Touche pour Malines. Salut Valentin, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Il y a l'MS, bien sûr. Pour le moment... 17ème minute de jeu, 0-0. Malines qui... Attention, action dangereuse pour Malines à l'entrée de la surface. Le tir du joueur de Malines qui sort en sortie de but. On sent quand même un peu de largesse. Enfin, Malines exploite bien les trous qu'il peut y avoir entre
Dillad Brown et John Boy, ça fait deux fois où là ils essaient d'exploiter les trous entre les deux joueurs, donc faut faire attention quand même. C'est le risque de jouer très très large. Super, la Brown qui réussit à trouver Angbank côté droit, Pajot qui donne la balle à Farid Boulaya qui malheureusement perd la balle sur un très bon tacle d'un joueur de Malines qui récupère la balle au milieu de terrain, qui renverse le jeu côté droit, sur le côté droit de Malines, centre de Malines côté droit, et c'était très bien intercepté par Fabien Santon, ce qui envoie la balle en corner pour Malines à venir. Pour l'instant, ce qui est à noter, c'est que un peu ce qu'on avait déjà vu contre la Gantoise, le côté gauche de Metz, défensivement, est assez vulnérable pour l'instant, sur le jeu de centre. Donc, ça change pas. Hein. Oh là, super corner avec la tête de joueur de Malines, super arrêt d'Oukidja, frappe d'un joueur de Malines à l'entrée de la surface, et la balle est dégagée. Super arrêt d'Oukidja par contre. Sur une tête d'un joueur de Malines au premier poteau. Je vous le disais dans le débrief du match contre la Gantoise que les coups de pied arrêtés, ça avait été pas trop ça lors du match contre la Gantoise. On a vu beaucoup de coups de pied arrêtés, notamment concédés c'était en deuxième mi-temps. Là, on voit encore un coup de pied arrêté, là, avec une tête au premier poteau. Super barré d'Oukidja. Sinon, il y aurait eu but. Hein. Très très bel arrêt. Donc, faut faire attention, quoi. Ça va être un. Il faut pas retomber dans ces problèmes qu'on avait connus, notamment en début de saison dernière, où on avait beaucoup concédé sur les centres, notamment, centre et corner, hein. Beaucoup d'actions que l'on avait concédées. Il faut pas retomber dans ce travers. Hein. Alors que le jeu est arrêté, là on fait une petite pause fraîcheur parce qu'il y avait un joueur de Metz qui était à terre. 20e minute de jeu, 0 à 0. C'est équilibré, mais quand même, offensivement, la Maline est pour l'instant un peu plus dangereux que le FC Metz. Hein. Salut Veneno, comment tu vas? Une belle matinée pour un match de football. C'est absolument génial. Parce que je reçois des messages de personnes en message privé qui me disent que c'est terrible de se lever pour regarder un match du FC Metz. Surtout qu'effectivement, le match pour l'instant est très. Tu sens un peu les organismes des joueurs qui ont du mal à se réveiller, quoi. Donc voilà. Mais pour l'instant, ouais, Malines, offensivement, qui je trouve est un peu plus dangereux que le FC Metz. Metz qui tente de se chercher. Et encore une fois, offensivement, le Metz qui est beaucoup plus impactant dans le dernier tir sur le côté gauche. Hein. On tente d'organiser des choses côté droit. Le repli défensif de Malines côté droit de Metz, donc leur côté gauche, est plutôt bon. Et donc voilà, on essaie de créer un peu, comme je disais, des trous sur le côté gauche. Hein. Avec notamment Thomas Delaine hein, qui va beaucoup vers l'avant. Le problème, c'est que Thomas Delaine, s'il va vers l'avant, il laisse un trou. Et là, voilà, la contre-attaque de Malines qui est menée côté droit. On tente d'organiser côté droit du côté de Malines. Et donc, c'est le problème quand Delaine monte beaucoup, c'est que derrière ça oblige une compensation du trou laissé par Delaine. Et la compensation, elle doit être menée par un milieu de terrain, quoi. Ça va être Maïga essentiellement, voire des fois Pajot, mais il y a une compensation à mener, quoi. Donc là, pour l'instant, les actions viennent vraiment du côté gauche du FC Metz. Aussi bien offensivement que défensivement. C'est-à-dire que défensivement, Malines organise depuis le côté gauche de Metz. Donc là, ils sont à l'entrée de la surface, ils sont côté droit. Centre côté droit de Malines. Et le centre qui est réceptionné par un joueur de Malines. Tir de Malines qui finit à gauche du but d'Oukidja. Une frappe qui est non cadrée, mais encore une fois, sur un centre, un de plus. Qui vient du côté de Thomas Delaine. On sent hein, vraiment que défensivement, Metz n'est pas très serein sur ce côté gauche. C'était un peu la remarque que l'on avait faite la saison dernière.
Alors, est-ce que c'est lié à Thomas Delaine spécifiquement parce qu'il est là et que dans ce cas-là, c'est encore une fois le risque, comme j'ai dit, d'avoir un Thomas Delaine qui monte beaucoup, qui fait que ça oblige à de la compensation sur le côté gauche, sauf que ça libère de l'espace, quoi. Automatiquement. Donc, Metz, pour l'instant, a beaucoup de mal à résister, notamment au latéral droit de Malines, qui a l'air d'être assez en jambes. Qui contribue beaucoup, le numéro 29, hein, qui contribue beaucoup à l'effort offensif de Malines. C'est pour cela qu'ils sont très menaçants sur le côté droit. Donc je pense que Malines, s'il va être encore menaçant, il faut qu'il tape sur le côté gauche de Metz. Hein. Donc leur côté droit à eux, Malines. Pour essayer de. Parce que là, on voit qu'en fait, ils sont. Sur le pressing, ils sont en nombre beaucoup sur le côté droit de Metz. Donc sur leur côté gauche. Mais on sent que le but de Metz, cette fois-ci, c'est de créer vraiment de l'espace côté gauche pour Thomas Delaine en phase offensive, quoi. Sauf qu'il ne faut pas perdre la balle parce que sinon, d'ailleurs, tu auras tout. Super frappe de Maïga. Très très éloignée cette frappe de Maïga qui a été très bien repoussée par le gardien de Malines. Malines qui tente de sortir la balle côté gauche et qui va malheureusement pas réussir à sortir efficacement la balle. La balle qui finit en touche pour Malines. Très belle frappe de Maïga. Frappe cadrée. 24 minutes de jeu, 0 à 0 pour le moment. Malines qui tient bien qui tient bien pour l'instant le match. Hein. Énorme activité des milieux de terrain du côté de Massin. Qu'on voit beaucoup bouger pour compenser un peu les trous qui existent. Je sais pas comment Delaine peut compenser comment dire cette comment dire l'attaque de Malines côté droit parce qu'on sent que là vraiment ils attaquent côté droit quoi. Ils ont compris que côté droit sur leur côté droit à eux donc sur le côté gauche de Metz il y a une possibilité vraiment d'organiser beaucoup d'actions. On sent une équipe de Metz beaucoup plus en place entre guillemets sur son côté droit quoi. Il y a un très bon travail défensif géré avec Santonze notamment. Il y a le soutien de Maïga, comment dire, d'Angban. Parce que le truc, c'est que Angban, il dézone beaucoup moins que Maïga et Pajot. C'est-à-dire que Angban est beaucoup plus en place sur son côté droit. Donc ce qui fait qu'il y a moins de déséquilibre côté droit. Et donc forcément, moins d'espace pour l'adversaire pour passer, quoi. C'est l'un des défauts qu'il y a des fois d'avoir un Pajot qui participe beaucoup au jeu, c'est que Pajot va, là on le voit très bien, redescend des fois beaucoup pour organiser le jeu, sauf que ça forcément ça libère le côté gauche quoi. Donc il faut qu'il fasse attention à ça quoi. Alors que Maga qui tente de jouer long sur Thomas Delaine côté gauche, Thomas Delaine qui sort, qui réussit à passer, entrée de surface côté gauche, Thomas Delaine qui va frapper, la frappe de Thomas Delaine qui finit au-dessus. Des buts du gardien de Malines. Très bon déboulé de la part de Thomas Delaine qui a réussi à se sortir entre guillemets du marquage du latéral droit de Malines et qui rentre dans la surface, frappe qui passe au-dessus. Bon voilà, Thomas Delaine est très menaçant offensivement. Vraiment le côté gauche, c'est vraiment le côté gauche de Metz, hein, donc le côté droit de Malines, c'est vraiment le côté où se passe le plus d'animation depuis le début de la rencontre, clairement. Donc là, ouais, Openget qui à un moment donné était à droite, finalement revient à gauche. Je pense qu'il y a ce souci-là, encore une fois, comme j'avais dit dans une vidéo, Openget a fait un très très gros travail défensif lors de ces rencontres. Et je pense que l'idée, c'est, voyant que Delaine a un peu de mal, de dire je ramène à nouveau Nguet sur le côté de Delaine pour un peu solidifier ce côté gauche de Metz que je sens un peu faible quoi. Alors que le jeu va peut-être être arrêté parce qu'il y a un joueur de Malines qui se tord de douleur. 27e minute de jeu, 0 à 0. Voilà, le côté gauche de Metz qui est le côté le plus actif pour le moment. Sans aucun doute. Alors qu'il y a Fred qui... Je te vois, Fred. Je
Je te vois avec en train de regarder le match et le live en même temps d'écouter le live. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient écouter regarder le live sur Mirabel TV ou sur le Facebook du SMS et en même temps aller laisser notre live à côté pour écouter un peu nos commentaires. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Alors, le joueur de la Gantoise qui décide. De la Gantoise, pardon, de Malines, je dirais, qui sort du terrain. Oula. Attendez, ça va être le moment de mettre un peu de brumisateur. Je vais quand même enlever les lunettes. Oh, la sensation. Oh, c'est trop bien. Petit brumisateur là. Waouh. Hop là. Ça fait tellement du bien. Alors, c'est relancé côté droit sur Farid Boulaye. Farid Boulaye à l'entrée de la surface qui arme une frappe et qui envoie une lucarne. Et c'est l'ouverture du score de Farid Boulaye. But de Farid Boulaye qui vient de nous décrocher une lucarne. Et c'est le but. C'est le but. Je fais n'importe quoi. But de Farid Boulaya, ça fait 1-0 pour le FCMS. Bon ben voilà, hein, Farid Boulaya qui part du côté droit hein, en fait. Hein. Il est en attente du côté droit, et il rentre à l'intérieur et en rentrant à l'intérieur de la surface, il arme sa frappe et il met une lucarne. Bon ben voilà, hein, je veux dire, c'est. Alors, est-ce que le but a été refusé ou validé? Oui, il a été validé, hein, d'accord. Bon, bah voilà. Hein. Farid Boulaya. 1-0. Très beau but. Hein. Ouais, c'est un beau but, Fred. Hein. T'as vu ça? Mais encore une fois, là, ça emmerde un peu, je dirais, Vincent Ognon de voir ça, parce que, encore une fois, on voit un Farid Boulaya qui est décisive, pas dans le jeu, mais vraiment sur l'action, sur une action de but, en partant d'un côté, quoi. Enfin, en étant un peu sur le côté. Ce qui, au final, quand on regarde bien les deux derniers buts de Farid Boulaya en championnat, c'est-à-dire le but qu'il met contre Montpellier, le but qu'il met contre Amiens, viennent en fait de situations où en fait il démarre du côté. Et il n'est pas en situation de numéro 10, c'est ça que je veux dire par là. Donc c'est encore une fois, c'est intéressant de voir Farid Boulaya, parce que là où je vous dis où c'est intéressant, c'est qu'on est. Attends, peut-être que je vais laisser le coup franc, mais en gros. C'est un débat qui existe depuis très longtemps. Est-ce que Farid Boulaya est un ailier ou est-ce que c'est un meneur de jeu? C'est un débat, certains pensaient que ce débat était clos. Il ne l'est pas forcément. Malines qui. Oh la super frappe de Malines! À l'extérieur de la surface. Super barré de la part d'Oukidja qui envoie la balle en corner. Corner pour Malines à venir. Voilà quoi. Alors qu'il y a un corner qui va être joué pour Malines. Donc là, vraiment, il faut bosser sur les coups de pied arrêtés. C'était un vrai problème là sur le match contre la Gantoise. On va voir si les problèmes sont anglais parce que franchement, c'était pas encourageant lors des matchs précédents. Et encore une fois,
Bon, Maligne réussit à prendre la balle de la tête. Malheureusement, la tête est... Elle a du mal à être placée de la part du joueur de Maligne qui envoie la balle en sortie de but. Faut faire attention, quoi. Les coups de pied arrêtés, c'est vraiment, je dirais, le... J'espère vraiment qu'on va pas retomber dans les travers comment dire, de la saison dernière, quoi. C'est vraiment la crainte que j'ai. Donc j'espère vraiment qu'on va pas revivre ça. Il y a beaucoup de, je suis en train de voir, il y a beaucoup de supporters de Malines sur le live du FC Metz, hein. Dans les commentaires, c'est incroyable le nombre de supporters de Malines. Alors qu'on essaie de jouer long du côté de Malines, malheureusement c'est très très long, trop long. Récupération de Oukidja qui relance sur Boy, Boy de Laine, Boy qui redonne sur Brown, Brown qui est pressé par l'attaquant de Malines. On redonne la balle à Angban qui est un peu plus redescendu, qui fait une passe latérale pour John Boy. Alors qu'on réussit à récupérer la balle du côté de Metz. Boulaya qui donne la balle à Maïga, qui est Nguette qui essaie de la récupérer. Malheureusement, c'est pas récupéré par Nguette. Et Maline qui va tenter de se relancer depuis l'arrière. Je suis en train de voir là, il y aura un commentaire à faire après. Non? Pas faute là? Ok, pas faute, récupération de Maline. Un peu tête musclée. La balle qui est côté droit de Maline. Il y a un truc intéressant que je viens de voir là, c'est quand Maiga sort du milieu de terrain pour des fois presser sur le porteur de ballon de Maline, vous avez Angban en fait qui très souvent fait un signe en disant les gars j'ai deux joueurs à marquer, je marque qui? Pourrait voir à un moment donné, c'est que Maïga, sur juste l'action précédente, en fait, il signale qu'il y a deux joueurs de. Enfin, il a un joueur de part et d'autre, et il ne sait pas qui marquer. C'est là où c'est peut-être un. Alors qu'un centre de Maline dans l'entrée de la surface, ce joueur de Maline qui est à l'entrée de la surface tire, qui a été dévié par Maïga de la tête. La balle est côté droit de Maline. Maline qui va tenter de centrer, qui réussit. Qui a du mal à sortir la balle. Très bon pressing de Nguette hein, sur le porteur de ballon de Maline. Maline qui ressort par derrière, voyant que le chemin est barré. Mais en fait, en gros, Maiga sort de son positionnement de sentinelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, Angban reste au milieu de terrain et il a un joueur de part et d'autre, il ne sait pas trop quoi faire en fait. Donc faut faire attention, il faut que Maiga reste bien en place quand même et qu'il ne sorte pas trop. Parce que quand il sort trop comme ça, Angban. Il sait pas trop qui marquer, c'est normal, il a deux joueurs à marquer en même temps. Donc, faut faire attention que Maline ne réussisse pas à trouver l'un de ces deux joueurs-là. Sinon, bah, c'est une action très, très dangereuse pour Maline, quoi. Récupération d'Angban. Angban qui envoie sur Nian. Nian qui se fait faucher au milieu de terrain. Pour l'instant, Nian est très, très, très discret, hein. Encore une fois, les actions viennent généralement du côté. Côté gauche de Delaine, là le but est venu côté droit par Boulaya. Nian est pour l'instant très très discret. Donc c'est pas facile pour Nian pour l'instant. Ok, donc là super en profondeur pour Pajot. Pajot qui est aux avant-postes et Pajot qui veut faire une passe en retrait. La passe en retrait et intercepté et envoyé en corner. Corner à venir pour le SMS sur leur côté gauche. Et là, on a vu par contre un Boulaya qui est pas resté sur son côté droit, qui là est venu aider en soutien dans l'axe par contre. Ce qui a libéré du marquage pour Santon. Santon, ce qui avait vraiment un boulevard là, dessus. Corner tiré par Boulaya. Boulaya qui va tirer directement dans le paquet. Corner tiré. Et malheureusement, c'est directement sur le gardien de Maline qui envoie rapidement sur le côté gauche. Contre-attaque menée par Maline. Maline qui va tenter de
sortir la balle. Changement de côté qui est raté, qui est intercepté par Faïd Boulaya. Faïd Boulaya qui malheureusement repère la balle. Et Maline qui dans le camp messin, côté gauche, face à face entre l'ailier gauche de Maline et Fabien Santons qui finalement décide de revenir dans l'axe. Et Maline revient derrière finalement. Au niveau de leurs défenseurs centraux pour tenter d'organiser le jeu côté droit. On est côté droit là. Delaine qui défend bien et qui envoie la balle. On touche 38e minute de jeu. Toujours 1 à 0 pour le FC Metz. La balle est dans l'axe pour Maline. On tente de passer la première ligne des milieux de terrain. On amène la balle côté gauche. On réussit à rentrer dans la surface côté gauche. Se passe et... Oula, le centre qui est dévié, je crois, par Delaine. Et finalement, qui ne trouve pas un joueur de Maline. C'était très, 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 très chaud. Heureusement que Delaine est là parce que le centre était bien fait. Petit centre à rater. Qui a... Et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait, c'est que les centres, on est très vulnérable sur les centres. Encore une fois. En fait, l'adversaire arrive pas à nous passer dans l'axe. Par contre, il nous passe sur les côtés, mais il aime bien. On revient dans l'axe côté Maline. Maline qui va tenter de passer dans l'axe, finalement, qui passe sur le côté gauche. Sur leur côté gauche. Centre depuis côté gauche de Maline. Le centre qui est arrêté par Alexandre Oukidja. Beaucoup, beaucoup de centres de la part de Maline. Après, c'est normal qu'ils aient beaucoup de difficultés, Maline, à passer dans l'axe quand tu as trois milieux, entre guillemets, axiaux, si on veut, qui bougent beaucoup. Donc il y a quand même de la présence au milieu de terrain pour Metz. Sauf que là, vous voyez, sur l'image, vous l'avez à l'écran, les 4, enfin pour vous sur le live, Maline essaie d'être bien présent au milieu de terrain, dans le terrain de Metz. Et par contre, nos milieux essaient d'être assez haut quand même. Donc il faut évidemment pas perdre la balle, sinon le contre peut faire très 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 mal. Touche de 211 côté droit. Yann qui finalement... Enfin, c'est Enget qui résiste bien au pressing du joueur de Maline. Salut Fatal, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut Laurent. Pareil, j'espère que tous les deux vous allez très très bien. Bienvenue pour ce live matinal qui a commencé à 9h du matin avec deux cafés. Pour l'instant, nous sommes encore en vie. Le jeu qui a mené côté gauche, Thomas Delaine côté gauche qui revient dans l'axe sur Pajot. Pajot qui renverse le jeu côté droit sur Fabien Santons. Fabien Santons qui va tenter de contrôler la balle. Malheureusement, la balle sort en touche pour Maline. Sur leur côté gauche. Alors qu'on voit à l'échauffement qu'il y a Ambrose qui s'échauffe, il y a Kayar qui s'échauffe et Chibembe. Donc normalement Kayar va rentrer en deuxième mi-temps. Chibembe s'échauffe aussi. Il y a Ambrose, Kayar, Chibembe qui devrait rentrer en jeu en deuxième mi-temps. Duel entre Boy et le joueur de Maline qui a eu un petit choc entre les deux joueurs. Le joueur de Maline qui pour l'instant est au sol en train d'agoniser. 1-0 pour le FC Metz. 42e minute de jeu pour le moment. Salut Nathan, pourquoi Udol joue plus? En fait Udol il est blessé. Il est blessé donc il ne joue pas. Enfin il n'a pas été convoqué d'ailleurs pour ce match. C'est donc comme tu peux le voir à l'écran, Thomas Delaine qui est présent en tant que latéral gauche. Donc voilà. Pour l'instant.
D'ailleurs, Thomas Delaine qui s'en sort plutôt bien offensivement. Défensivement, les deux latéraux sont quand même un peu mal, pas malmenés, mais ils sont soumis à rude épreuve parce que Malines tente essentiellement de rentrer sur les côtés. À travers des centres, ils ont du mal à rentrer dans l'axe. Donc pour l'instant, Metz tient bien l'axe du terrain. Mais par contre, les côtés, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, nous avons Oukidja qui tente de gagner du temps. Nous rappelons à Oukidja qu'il s'agit d'un match amical et qu'il va sortir dans 3 minutes. Donc gagner du temps comme ça, je veux bien, mais bon. Alors la balle est envoyée sur Delaine côté gauche. Pajot qui est toujours présent côté gauche. Openget aussi côté gauche toujours. On tente d'envoyer en profondeur Ibrahim Niane. Niane qui contrôle la balle. Malheureusement, le joueur de Malines arrive, envoie la balle en touche. Touche à venir pour Metz. Delaine qui envoie la balle sur Maïga. Malheureusement, la balle est perdue, récupérée par Maline. Maline qui ne sait pas trop quoi faire, qui envoie la balle sur le côté droit. Côté droit de. Sur leur côté droit. Bon retour de Maïga qui récupère la balle. Boulaya qui va tenter de s'en sortir. Est-ce que Boulaya va pas prendre de risque? Il va renvoyer la balle sur Delaine qui dégage. La balle qui est envoyée par Delaine en touche. Au niveau du milieu de terrain, côté droit. Ça remet en jeu côté gauche par Maline. Maline qui est au milieu de terrain, qui va tenter d'amener le jeu sur le côté droit. Voilà, encore une fois, le côté droit, on fait un changement d'aile. Super joueur de côté droit de Maline tout seul. Centre de Maline côté droit. Et la balle qui est récupérée par Malines frappe à l'extérieur de la surface de Malines qui passe au-dessus des buts. On sent vraiment l'idée de jouer sur les côtés et Delaine qui est mis à rude épreuve. Hein. Là encore, il y a eu une très très grande liberté de la part du joueur de Malines sur la réception du changement d'aile qui a pu tranquillement, on va dire, centrer. Centre qui n'a pas abouti sur une action de but assez dangereuse, puisque la frappe a fini au-dessus des buts d'Oukidja. On va approcher des 45 minutes de jeu, et donc du temps additionnel. Dégagement d'Oukidja qui envoie la balle sur Opengate, qui peut contrôler balle au pied, normal, hein, pas de duel de la part de Malines, hein, tout à fait normal. Contre-attaque menée côté gauche par Malines, Malines qui est à l'entrée de la surface, qui malheureusement tente de passer dans l'axe, mais qui n'y arrive pas. La balle qui est perdue, et c'est la mi-temps à Metz, entre Metz et Malines. Mi-temps 1-0 pour le FC Metz. But marqué par Farid Boulaya sur une super frappe côté droit. Donc voilà quand même Metz qui. On va un peu débriefer cette première mi-temps. Je vais juste marquer le score. Metz KV Malines 0-1 fin première mi-temps. Boulaya qui est le buteur pour Metz. Hop, je vais faire juste ça vite fait quand même. Hop là. Bon, bah écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien quoi pour Metz. Au niveau du score, ça se passe bien. Maintenant, bon, au niveau du jeu, on est un peu, je dirais, plus en difficulté sur les côtés notamment.
Voilà. Maline joue bien, dit Johan. Ouais, Johan, bah écoute, Maline a compris, entre guillemets, les points faibles à l'instant T du FCMS hein, sur ce match. Point faible remarqué, c'est notamment les côtés. Je vais juste enlever ça. Les côtés, essentiellement le côté droit. Essentiellement le côté droit pour le moment. Ce qui, encore une fois, est logique. Hein. Je veux dire, Delaine monte très souvent et ça crée un déséquilibre où ça doit être compensé par notamment Maiga. Le truc qu'il y a, c'est que Maiga doit faire comme attention. Des fois, il a tendance à beaucoup trop sortir sur son marquage individuel parce qu'en fait, il marque un joueur qui, en gros, redescend des fois pour organiser le jeu et il le suit. Le problème qu'il y a, c'est que ça laisse un trou et notamment, on a vu à quelques reprises Angban signaler que ben ouais, j'ai deux joueurs à marquer, donc comment je fais quoi. Et donc, si Maline réussit à amener la balle au niveau de ces deux joueurs-là du milieu de terrain, c'est très compliqué. L'avantage, c'est que pour le moment, Maline n'arrive pas du tout à exploiter le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est quelque chose qu'ils ont du mal. Donc, bah, ils restent les côtés. Et leur côté de prédilection, ça semble être le côté de Thomas Delaine. Donc, le côté gauche du FCMS, avec beaucoup de centres, notamment. Voilà quoi. Donc, ça prouve deux choses. Premièrement, que effectivement, Delaine est défensivement est mis un peu à mal, hein, je dirais. Enfin, pas mis à mal, mais en tout cas, c'est un axe qui est beaucoup exploité par l'adversaire. Deuxième chose, par contre, on subit beaucoup de centres. Beaucoup, beaucoup de centres. Donc ça, c'est un peu pour l'aspect défensif. Sur l'aspect offensif, qu'est-ce qu'il y a noté? Donc Thomas Delaine, très en jambes, offensivement parlant. Donc ça, c'est plutôt bien. Boulaya, qui a un peu de déchets, mais a des bonnes fulgurances, on va dire. Et surtout, qui marque. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Et Pajot, grosse activité au milieu de terrain. Comme Maiga d'ailleurs. Deux joueurs qui participent beaucoup à la construction du jeu depuis l'arrière. On redescend carrément au niveau, au contact presque des défenseurs pour essayer d'organiser le jeu. On essaie de jouer long, on fait des renversements de jeu. Donc ça, c'est un peu pour l'aspect positif des choses. Aspect négatif, par contre, Nian, qui a été, on va dire, très, très mis à mal. Hein. Sur ce match, il a eu beaucoup de mal à gagner des duels en 1v1 vis-à-vis de l'adversaire. Bon, les centres aussi ont eu beaucoup de mal à le trouver. Ça, il faut le noter. Donc forcément, Nian a été assez passif sur ce match. Alors, est-ce que la solution de Nian n'est peut-être pas un peu une solution version comme le fait l'Atalanta, par exemple? En Italie, c'est-à-dire que l'attaquant doit revenir au contact carrément du latéral pour essayer de jouer court et pour essayer, entre guillemets, de sortir le défenseur, dans ce cas de Maline, de sa position pour laisser plus d'espace. Ça peut être une solution. Mais il faut que Yen, dans ce cas, ne reste pas comme il l'est dans la surface à... Comment dire comment je peux dire ça? Dans la surface, à essayer d'exister, et c'est très compliqué d'exister, il y a très peu de ballons qui arrivent. Donc Nian a fait, on peut dire, une première mi-temps assez décevante. Raison pour laquelle, peut-être, on va le changer, puisqu'on a vu lors des échauffements de certains joueurs sur le banc de touche, on a vu Kayar, on a vu Tshibembe, et on a vu Thierry Ambrose. Donc est-ce qu'il va y avoir un remplacement dès la reprise? Peut-être. Avec peut-être une réorganisation tactique. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, normalement, Kayar va remplacer Oukidja pour la deuxième mi-temps. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur cette première mi-temps? Je sais que certains, mais je sais plus, j'avais vu un message tout à l'heure. Je ne le retrouve plus. Donc si vous avez des remarques à dire sur cette première mi-temps, pour l'instant c'est équilibré, mais Metz a su convertir la bonne occasion grâce à Monsieur Farid Boulaya.
Faisons un petit point abonnés. Combien d'abonnés en même temps? 533. Bah, c'est très bien, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés hein, durant la première mi-temps. J'ai pas eu le temps de voir exactement qui s'était abonné. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Vous pouvez le faire, c'est gratuit. C'est un très gros soutien de votre part. Comme vous voyez, l'objectif, c'est d'atteindre les 600 abonnés. On a dépassé cette semaine les 500 abonnés, ce qui est absolument incroyable comme chiffre. Donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à faire péter ce chiffre. Hop, voilà. Où est-ce qu'on en est du côté? Pour l'instant, ça n'a pas repris. Hop, on va enlever ça. C'est faut que j'arrive. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc pour l'instant, c'est assez équilibré. On va voir hein, les changements en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a un changement tactique? Pourquoi pas? Donc là, je vous rappelle que comme vous avez pu le. Je vous remontrer à nouveau le 11 qui a été donc mis en place pour la première mi-temps. Ça, c'est le 11 en place. Donc avec Nguet, Nian, Boulaya. Boulaya qui est sur un côté, notamment en phase défensive, qui ne s'interdit pas de rentrer en phase offensive dans l'axe depuis le côté droit. Hein. D'ailleurs, le but vient un peu de ça. Il est sur le côté droit, il rentre à l'entrée de la surface, un peu sur le côté droit de la surface. Mais hein, il rentre vraiment dans l'axe. Il arme sa frappe, il la met en pleine lucarne. C'est la formation qui a été mise en place. 4-3-3 normal. Maintenant, est-ce que la deuxième mi-temps va être un nouveau système? Est-ce que ça sera le 4-3-3 hybride? C'est possible. On a vu donc Ambrose s'échauffer, peut-être pour remplacer Nian. Et la question, c'est Tchimbembe. Tchimbembe, est-ce qu'il va remplacer Angouban, qui a été assez passif et qui a été, on va dire, pas forcément impactant malgré lui, je dirais, dans ce système-là? Ou est-ce que... on va même, je sais pas, sortir peut-être Pajot pour mettre Tchimbembe, vu que Tchimbembe il est gaucher. Pajot joue plus sur le côté gauche, ça peut être une option. Boulaya, un malade le mec. Bah, Boulaya a un pied absolument extraordinaire. Hein. Je veux dire, quand tu prends son but face à Amiens, c'est quasiment presque le même que celui qui met là contre Malines. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que autant Boulaya peut être important quand il est dans l'axe, maintenant, va se poser une question, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut vraiment pas se dire, on le laisse sur le côté et on lui demande de rentrer dans l'axe, tu vois. Parce que là, quand tu vois encore le but qui marque, il part depuis le côté droit de Metz, il rentre dans l'axe et il arme sa frappe. Le but marqué contre Amiens, même si s'il y a une circonstance par rapport à un coup de pied arrêté, il est encore en position d'être un peu sur le côté, il arme la frappe, il met le but. Quand il est face à Montpellier et qu'il permet l'égalisation, ben il est sur le côté, il rentre et il marque. Donc je vois bien, je sais que c'est pour moi un débat assez important qui existe à l'heure actuelle de... Alors, j'ai vu certains dire que le débat était réglé. De est-ce que oui ou non, Boulaya doit être considéré comme un meneur de jeu ou est-ce qu'il doit être considéré comme un ailier? Quand tu regardes le recrutement qui est fait et quand tu regardes les joueurs même à l'heure actuelle présents dans l'effectif, t'as pas l'impression que Metz le considère comme un ailier mais plus comme un numéro 10 ou en tout cas comme un milieu se portant vers l'avant. Parce que à l'heure actuelle, je rappelle que nous avons Yadé, Lamine Gueye, Sabali, Wagner. Tu as donc 4 ailiers, Nguet bien sûr, donc ça fait 5, pardon.
Tu as donc 5 ailiers présents dans l'effectif. Je pense pas en avoir oublié. Si je compte pas Boulaya. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup d'ailiers pour juste un système en 4-3-3, tu vois. Donc peut-être que le projet d'avant la pré-saison, quand tu vois le fait qu'il cherchait à faire venir Wagner, le fait qu'on ait tenté notamment contre Serein de le mettre en 10, le fait qu'on ait tenté de remettre le système hybride contre la Gantoise, c'est qu'il y avait une volonté effectivement de mettre Boulaya en tant que numéro 10. Maintenant, le fait est que ce mec est quand même hyper impactant quand il part du côté vers l'axe. Donc je sais pas. Mais c'est ça, je t'avec. Encore une fois, il peut être. On a l'impression qu'il s'exprime dans le jeu, je parle mieux en étant en numéro 10. Mais l'effet, c'est qu'il est par contre hyper décisif quand il n'est pas en numéro 10. Ou en tout cas, quand il ne joue pas comme un numéro 10. C'est là où il faut être beaucoup plus précis. Oui, ça fait beaucoup là, oui. Je vois le même, je t'avec. Oui, non, mais. C'est pour ça, quand je vois le nombre d'ailiers à l'heure actuelle dans l'effectif de Metz, j'ai l'impression que le projet, c'était pas de mettre Boulaya en ailier, quoi. Le projet, c'était de mettre Boulaya en 10 et de se dire, bah ouais, effectivement, on va essayer de partir avec pas mal d'ailiers. Donc, est-ce que ça va être mis en cause? Je ne sais pas, parce qu'après, il va falloir que tu décides de l'importe, enfin de qui garder en ailier, quoi. Même si je veux bien que le nombre de joueurs sur les bancs touches vont augmenter la saison prochaine, puisqu'on va passer de 7 joueurs sur le banc à 9 joueurs sur le banc. Donc je veux bien avoir beaucoup plus d'ailiers, mais à un moment donné, va falloir quand même qu'ils décident, quoi. Mais je t'avoue que je dirais que beaucoup de personnes se rendent pas compte, parce que je vous sais, on parle encore des fois de rumeurs offensives. J'ai envie de dire, mais attendez, on peut débattre sur la qualité de l'attaque de Metz, sur la qualité des joueurs. Le fait est que sur le nombre, on est plus que bon en termes de nombre. En termes de nombre de joueurs, on est très très bon à l'heure actuelle. Tu vois, donc quand je vois ça, je me dis, pour l'instant, on est bon. La question, encore, c'est la qualité. Est-ce que la qualité des joueurs que tu as dans l'effectif est bonne pour la Ligue 1? Ça, c'est un autre débat. Mais en termes de nombre, aujourd'hui, le nombre est plutôt bon, quoi. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la question principale, c'est par rapport à Nian, aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur Nian, beaucoup de pression sur lui, et moi je pense que Nian, il faut qu'il fasse évoluer son style de jeu à un moment donné, parce que là, en étant esselé comme il est esselé, je pense qu'il faut qu'il apprenne à jouer avec ses compères offensifs qui jouent près d'eux en fait, et qu'il bouge avec eux. Et encore une fois, si vous voulez avoir un exemple, vous regardez Zapata du côté de l'Atalanta. Zapata, très souvent, ne reste pas dans la surface de réparation. Avec l'Atalanta Bergame, lui, il va carrément venir sur le côté. Quitte à jouer très très court avec le latéral de l'Atalanta, ou alors l'ailier, parce qu'eux jouent en 3-5-2, pour essayer de créer ensemble le danger. Mais rester isolé, lui, physiquement, il ne peut pas... aujourd'hui, avec son physique, s'imposer vis-à-vis de ses adversaires dans la surface. Aujourd'hui, non. Salut Quentin, j'espère que tu vas bien. Salut, dommage qu'ils n'essaient pas de faire un 3-4-3. Problème, c'est que, encore une fois, 3-4-3, ça implique de la part des joueurs une immense maîtrise tactique. Et un très bon QI foot. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de balancer des formations tactiques, hein, qui d'ailleurs sont des fois très efficaces, mais ça demande énormément de travail pour maîtriser ces formations tactiques. Ça se fait pas en un match.
Et si tu sens pas que ton équipe elle est prête à s'adapter comme ça à une tactique qui va demander beaucoup de rigueur en termes de placement, tu le fais pas. Tu joues une tactique qui est beaucoup plus safe. Et un 3-4-3, par exemple, si tu veux une difficulté, quelle est la difficulté du 3-4-3? Ça demande beaucoup d'intelligence tactique, notamment de la part des centraux, en fait, des trois centraux, pas des trois défenseurs. C'est-à-dire qu'il faut que le défenseur, par exemple, le central côté gauche, pense à venir créer un surnombre sur le côté gauche de Metz quand le jeu est côté droit et que tu dois renverser. En fait, ça demande beaucoup de réflexion tactique d'avoir des systèmes 3-4-3, 3-5-2 et c'est pas si simple que de dire genre ouais allez on passe en formation comme ça. Ça demande beaucoup de travail et ça se fait pas en un match quoi. Tout simplement. 4-4-2, moi 4-4-2, je suis partisan du 4-4-2 depuis très longtemps pour la simple et bonne raison que je trouve que 4-4-2, ça permettrait à un Nian d'avoir un joueur qui joue à côté de lui. Et si vous voulez un exemple parfait pour moi, je vais vous dire clairement, le match que j'ai le plus adoré, donc d'ailleurs le match vient de reprendre, mais le match que j'ai le plus adoré de Nian en attaque, ça a été le match contre Montpellier où on a joué un peu en 3-5-2 et il y avait un joueur qui était donc, je crois, Diallo, qui était constamment en contact de Nian en fait. Et en fait, ça a fait que les deux ont une telle alchimie parce que l'un était collé à l'autre et donc l'un pouvait jouer avec l'autre. Et c'est ça le problème de Nian, c'est qu'aujourd'hui, Nian ne peut pas être isolé. Aussi bien en tant qu'avant-centre ou aussi bien en tant qu'ailier. Nian n'est pas un joueur qui doit jouer isolé. Il doit jouer au contact de l'un de ses partenaires. Quitte à venir se. Comment dire? Quitte à devoir se déplacer vers l'un de ses partenaires. Donc voilà quoi. Coup franc pour Malines à l'entrée de la surface, coup franc très très dangereux. Et donc j'ai pas vu les changements, faut que je fasse les changements. J'attends que le coup franc se fasse, puis je fais les changements tactiques pour la deuxième mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup de changements à faire. Le coup franc va être tiré par Malines. Le coup franc est tiré, ça va droit dans le mur. Maline qui tente quand même de recentrer à nouveau. La balle part en sortie de but, 0-0 pour le moment. Alors je vais juste faire un petit changement. Tristan Gratt. Bonjour, je suis. Bonjour, je suis Nancéen. Écoute Tristan, moi je suis un. Nous sommes sur un live, tu sais, très calme. Si tu participes à des discussions, s'il n'y a pas de provocation, rien, tu peux rester, tu peux partager la discussion avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis très ouvert, tu sais, sur ces questions-là. Ça, pour autant, je n'ai pas de Nancy, hein, faut être clair, mais encore une fois, je suis dans le respect le plus total. Donc, si tu es respectueux dans le chat, tout ça, je ne vais absolument pas être, je dirais, agressif envers toi. Donc, Tristan, tu es le bienvenu sur ce chat. Kokas qui demande pourquoi Wagner ne joue pas. Wagner, il est encore en phase de reprise. Il a repris l'entraînement. On espère le voir pour le match de Dijon. Ça serait bien pour un joueur qu'on a recruté 3 millions d'euros. Changement Ambrose, Warren, Caillard rentre. Oui, j'ai vu Fred. J'ai vu lors d'échauffement. Je vais modifier le 11. Je suis en train de le faire. Donc j'ai répondu à ta question, Kokas. Wesh, Nancéen, ça va en Ligue 2, vous mangez bien vos biscottes. Je t'abec. Tranquille, je t'abec. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Effectivement, une saison compliquée pour eux. Il est blessé. Oui, Eiswolf, Wagner est blessé. Enfin, il est blessé. Il a repris l'entraînement dernièrement, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il est en phase de reprise. Il va revenir tranquillement. De toute façon, c'était annoncé hein, quand il est arrivé blessé. Il était en phase de reprise. Voilà. Corner tiré par Pajot. La balle qui est dégagée par Maline. Tchipembe qui tente de relancer. Ambrose. Qui récupère la balle côté droit, Ambrose qui est côté droit, qui dribble le joueur de Malines, 130 d'Ambrose, et ah, Nyan, qui malheureusement avait une opportunité dans la surface de tirer, de marquer. Malheureusement, il a échoué, donc ça fait toujours 1-0 pour Metz. Et donc, Ambrose est rentré sur le côté droit, c'est intéressant. Parce que c'est à nouveau le retour du système avec Ambrose sur un côté. On va pas dire que c'est quelque chose qui va lui faire grandement plaisir, hein, ça c'est clair, mais.
Mais c'est comme ça malheureusement pour lui. Alors je regarde juste le modification tactique. Donc Pajot passe côté droit. Et donc Chipembe côté gauche. Ok, très bien. Je suis en train de vous refaire le. De vous refaire le 11. Hein. Encore une fois. Hop. Le 11 de la deuxième mi-temps. Voilà, vous l'avez à l'écran. Vous me dites si je me suis trompé, je pense pas m'être trompé. Voilà. Donc, confirmation d'une chose, par contre, Maiga fait un match en entier en tant que sentinelle. Hein. Juste pour info. Ambrose, eh bien, il est droit sur sa rentrée. Pajot, donc, qui bascule entre guillemets milieu central droit, hein, si l'on veut, et donc Chibembe qui est milieu central gauche. Intéressant de voir si la théorie se confirme comme quoi Pajot va redescendre beaucoup plus que Chibembe. Moi, ce qui m'intéresse de voir sur Chibembe, c'est ce qu'il va réussir à avoir beaucoup plus de ballons pour un peu plus diriger le jeu, quoi. Et pour un peu plus participer au jeu collectif de l'équipe, quoi. Alors qu'on envoie justement Pajot, regardez Pajot, vous voyez comme il est offensif Pajot là? Alors qu'il est milieu central droit, hein. Nian qui joue. Nian qui a du mal dans la transmission. Nian qui a du mal. Et là vous voyez Chibembe. Chibembe il est quasiment. Il est assez haut là. En tant que milieu de terrain. C'est un peu ce que je vous disais. C'est que c'est un milieu de terrain qui va. Chibembe est un peu comme Pajot. Hein. C'est deux milieux de terrain qui sont sensiblement les mêmes. Peut-être Pajot va redescendre beaucoup plus que Chibembe pour organiser le jeu. Mais sur l'aspect offensif. On va très souvent voir un Chipembe et un Pajot un peu sur le même état d'esprit, quoi. Donc là, il y a quand même Maika qui a raté sa transmission côté gauche. Récupération de Maline côté droit. Maline côté droit qui tente d'organiser mais qui revient finalement derrière. Toujours 1-0. 51e minute de jeu. Où sont les images du match, s'il vous plaît? Merci à un supporter de Maline. Alors, Kevin, je ne peux pas te montrer le live, les images, puisque c'est soumis à des droits TV. Donc, je ne peux pas te le montrer. Je respecte les droits TV en place. Par contre, je te mets le live du FCMS. Kevin, tu cliques directement sur le lien que je viens de te mettre dans le chat et tu accèdes carrément au live du FCMS. Voilà. Donc, c'est cadeau, ça fait plaisir. Sinon, j'ai une discussion très cool avec un Strasbourgeois qui conclut par bonne préparation à vous, puis je souhaite au reste le meilleur. Il m'a répondu merci à vous aussi. Bah, comme quoi, tu vois, je t'avec. Les discussions sont pas forcément obligées d'être dans les insultes, dans le rabaissement de l'autre. Pas besoin. On peut discuter de manière sereine avec quelqu'un, tout en étant pas supporter de lui. Hein. Après, quand on est dans l'ambiance du match, c'est différent. Dans l'ambiance du match, tu es dans l'ambiance du match, tu es un peu vindicatif. Mais non, quand on n'est pas dans un match l'un contre l'autre, on peut se respecter, on peut avoir des bonnes discussions, quoi. C'est pas pour autant qu'on va aller on part en vacances derrière tous les deux, quoi, tu vois. Non mais c'est intervention qui n'a aucune importance. Non mais c'est intéressant, j'étais avec. Ton intervention est intéressante parce que pas tout le monde a le même avis dessus. Beaucoup de personnes réagissent, tu sais, très... très mal vis-à-vis des supporters adverses. Alors Maline qui est en contre-attaque au milieu de terrain, qui organise côté gauche maintenant. Maline en face-à-face avec 111. 111 qui tente de résister. Récupération de la part de Pajot, qui est redescendu très très bas. Ambrose qui là aussi est très 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 bas, qui malheureusement n'arrivera pas à garder la balle, et qui concède une touche pour Maline, je crois. Touche pour Maline, côté gauche de Maline. Côté droit du FCMS donc. La touche est jouée. On tente de sortir la balle du côté de Maline. On a du mal. Mais on arrive quand même à passer à l'entrée de la surface. Joue très rapidement. Court, ça joue très très court. Maline qui frappe. Et Maline, oulala, action très dangereuse pour Maline. La frappe qui malheureusement n'est absolument pas cadrée. Qui est dévissée, qui sort en sortie de but. Mais là, attention. Attention, le jeu très très court de Maline. Sur un côté qui est moins défensif que ça ne l'a été en première mi-temps, puisque
Ambrose n'est pas forcément habitué à l'effort défensif que pourrait faire un Boulaya ou un Open Gate sur le côté. Donc le côté là, il m'attend, est un peu plus affaibli que la première mi-temps, même si Pajot a un peu remplacé Angban dans le travail défensif, vu que Angban a été sorti du 11 pour la deuxième mi-temps, quoi. Alors que là, on voit Maiga quand même a été un peu mis à mal. Il faut pas trop non plus rester trop en place. Il faut bien bouger les uns vers les autres. Et pour l'instant, on sent quand même que le jeu est vraiment. À l'heure actuelle, il y a vraiment entre Maiga et Pajot qui tentent de l'organiser, quoi. Et même les changements avec la sortie d'Angban et l'entrée de Chipembe, pour l'instant, change pas la donne. Chipembe qui participe pas vraiment au jeu, hein. C'est un peu l'information à retenir. Et le pire, c'est que vous verrez à un moment donné, là je viens de voir, Chimebe fait un appel à l'instant, alors qu'il y a un compte qui est fait pour Maline là, et une faute, non, la balle récupérée par Metz. Vous irez voir le ralenti, mais Chimebe fait beaucoup d'appels. Il fait beaucoup d'appels pour avoir le ballon, il demande le ballon, mais il n'a pas le ballon. Donc on sent qu'il y a la volonté chez Chimebe de participer au jeu offensif, mais pour l'instant, on a du mal à trouver Chimebe, je dirais. Je t'abec, t'as l'air vraiment d'un mec super sympa, tes interventions sont ouvertes, j'ai aimé discuter du SMS avec toi. Bah écoute, je t'abec, ça fait énormément plaisir ta remarque. Non, tu sais, moi je suis très chill, hein, tu sais, le SMS c'est une passion, mais c'est pas une raison pour être un peu décérébré quand on parle du SMS, hein. Il faut être un peu pragmatique, c'est très important d'être pragmatique, de ne pas réagir à chaud, et d'être très mesuré dans les propos, c'est le plus important, très mesuré. Personne n'a de boule de cristal, personne ne sait l'avenir, personne ne sait si tel ou tel joueur va réussir ou pas sa saison. Donc ça sert à rien d'être vindicatif et de dire « ouais, lui c'est une merde, lui il réussira jamais ». On n'en sait rien, on n'est pas devin, personne n'est devin. Mais donc lui, moi je suis très très chill quand il faut parler de Metz. Ça m'empêche pas d'en parler pendant des heures, je suis capable d'en parler pendant des heures, surtout sur l'aspect tactique. Et sur l'aspect gestion d'effectifs que j'aime bien en parler. Dégagement de Caillard qui dégage très très long sur Nian qui a joué le duel aérien, qui a plutôt gagné le duel aérien, mais la balle a été quand même récupérée par Maline au final. Un Chipembe qui tente un peu de jouer le duel physique pour récupérer le ballon. Je sais pas en fait, je suis un peu. En fait, le truc qui me gêne avec Chipembe, c'est pas vraiment lui. C'est le fait qu'il est aligné dans un milieu de terrain qui est déjà très technique et très tourné vers les transmissions de balles et vers l'organisation du jeu. C'est-à-dire qu'on a un Maiga et un Pajot qui aiment prendre part au jeu. Et le problème de ça, c'est que comme ils aiment prendre part au jeu et ils aiment, entre guillemets, prendre le jeu à leur compte, et bien il reste plus grand monde pour prendre le jeu à son compte, en fait. Enfin, il reste plus trop de place pour qu'un joueur puisse prendre le jeu à son compte. Et donc Chipembe est beaucoup passif, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe. Et vous voyez très très bien, c'est qu'en gros, là, vous voyez, un Pajot, Pajot très rapidement se porte en redescendant vers le... Voyez, même au niveau de la défense, pour essayer d'organiser le jeu. Et c'est-à-dire que même Chipembe n'a même pas le temps de réclamer la balle, en fait. Il y a déjà quelqu'un qui, entre guillemets, vient réclamer la balle avant lui, quoi. Et donc moi, je pense que là, Chipembe, il faut qu'il... il va falloir qu'il fasse quelque chose, c'est qu'à mon avis, il va falloir qu'il reste au contact de Nian, quoi. Parce que là, c'est clair qu'aujourd'hui, il peut pas trop contribuer à l'organisation des actions. Il faut qu'il reste au contact de... Soit de Nguez, soit de Nian. Je pense plus de Nian. Mais il faut qu'il utilise ça pour se montrer, quoi. «
Maline qui pour l'instant côté gauche, côté droit pardon, qui rentre dans l'axe, changement d'aile côté gauche, malheureusement le changement d'aile qui aboutit à rien, si ce n'est à une sortie de but pour le FC Metz, 60e minute de jeu, 1 à 0 pour le FC Metz pour le moment. Il est le numéro 12, Chipembe, oui, il est le numéro 12. Il a le numéro 12 et pour l'instant il tente de se montrer quoi. Enfin il essaye. C'est très compliqué pour lui. Caillard qui réussit à se dégager. Ah ça réussit à, ça change bien le côté. Non, ça tente de changer de côté pour Maline. Malheureusement elle a la passe en profondeur qui a été déviée, qui sort en corner. En fait, c'est qu'en gros, c'est l'un des petits problèmes, c'est que Maïga, comme il sort beaucoup, Pajot des fois redescend pour compenser, ce qui fait qu'il laisse son côté droit, et donc si l'adversaire d'air en profite, c'est à Ambrose, entre guillemets, de compenser l'absence côté droit d'un milieu, donc de redescendre assez bas. Et encore une fois, il n'a pas l'habitude du poste, donc forcément, c'est pas automatique. Corner tiré, récupération de Maline, récupération finalement... Je crois de Pajot qui récupère et qui dégage la balle en touche, côté gauche de Maline qui va remettre en jeu dans le terrain du FC Metz. Ça tente de construire en ressortant par l'arrière. On va repartir sur le gardien de Maline. On repart sur le côté droit. On tente d'organiser sur le côté droit, donc le côté de Thomas Delaine, hein, encore une fois. Hein. Ça construit, est-ce que ça va... Alors là par contre on sent Metz qui... Ouais, super récupération d'Opengate. L'Opengate qui a très bien réussi à récupérer la balle, qui va certainement provoquer une faute contre lui, et voilà. Enfin qui provoque une touche, pardon. Touche récupérée pour le FC Metz. Là par contre l'avantage c'est que maintenant Chipembe sur le côté gauche reste vraiment sur le côté gauche, ce qui fait que le travail défensif du côté gauche est beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Parce qu'avant c'était, si vous vous souvenez bien, c'était Pajot, et Pajot dézone beaucoup parce que Pajot veut participer à la construction du jeu, donc il dézone beaucoup. Là on le voit encore très très bien là. Ce qui fait que là aujourd'hui, vous voyez, Pajot redescend très très bas, même au niveau de Maïga. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de milieu droit, en fait. La Braun lance en profondeur qui, eh ben, il lance bien parce que Ambrose est obligé de reculer, voyant qu'il y a un trou qui est laissé par Pajot, il est obligé de reculer très très bas pour compenser ce trou, et au final, ben, Nian est devant, il est isolé, Braun tente de jouer en profondeur, mais la balle est récupérée par Maline. Donc c'est bien, mais c'est un petit problème, cette histoire de Pajot, là. Pajot en fait retombe dans des travers que j'avais vu contre Rouen en Coupe de France où il redescendait très 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 bas au niveau du milieu défensif, ce qui fait que ça le problème c'est que sur les phases de relance on a l'impression en fait que Metz joue avec deux milieux défensifs sur les phases de relance depuis l'arrière. Donc après, quand ils amorcent la relance, là, Pajot va beaucoup plus monter. Là, on voit, voilà, il est beaucoup plus haut. Là, il est sur le côté droit, donc là, c'est beaucoup mieux la construction, bizarrement. Pajot qui tente de changer de côté. Maïga qui va aller côté gauche, qui envoie en profondeur Thomas Delaine. Thomas Delaine qui pousse une accélération côté gauche, qui prend de vitesse le latéral de Maline. Et le latéral de Maline qui tacle et qui envoie la balle en corner. Donc là, on voit très très bien que... C'est beaucoup mieux quand, en gros, Pajot, d'accord, il aide à contribuer le jeu, mais revient à son positionnement de milieu droit, ce qui permet de meilleures transmissions. Donc ça, c'est un point intéressant, par contre, à ce qu'on est en train de voir sur la problématique de Pajot qui redescend très très bas.
Corner tiré par Metz, la tête qui malheureusement de, je crois, de Maïga qui passe au-dessus des buts du gardien de Malines. 64e minute de jeu, 1-0 pour Metz. Brian, salut Brian, des nouvelles de Wagner Diaz. Bah Wagner Diaz, il est en phase de reprise, il retourne à l'entraînement. Et on espère qu'il va pouvoir faire le match contre Dijon, ça serait bien parce qu'il n'a toujours pas fait de match amical avec le FC Metz. On ne sait pas d'ailleurs l'orientation tactique du FC Metz, donc ça serait bien un peu de savoir si oui ou non on compte jouer autour de lui, quoi. Enfin, avec lui plutôt qu'autour de lui. Mais il est revenu à l'entraînement, pour l'instant. La pelouse, elle est vraiment bien. Oui, la pelouse, elle est nickel, quoi. Ce qui est une bonne nouvelle. Super tacle de John Boyle, qui vient d'envoyer la balle en corner, qui a fait un très très bon tacle sur une accélération de, je crois, du latéral droit de Malines. C'est propre. Corner à venir pour Malines. À Emile, qui est un supporter de Malines. Je vois. Salut. Bonjour à toi, Emile. Fred qui dit Delaine en forme. Oui, Delaine est en forme offensivement. Défensivement, il est un peu mis à mal, même si en deuxième mi-temps, la réorganisation tactique aide beaucoup plus Delaine. Parce que Tshibembe étant maintenant milieu central gauche, Tshibembe ne dézone absolument pas comparé à Pajot. Ce qui fait que comme il ne dézone pas, ben l'efficacité défensive elle est meilleure sur le côté de Delaine maintenant. Et donc maintenant, en théorie, l'efficacité offensive de Malines devrait être plus sur le côté gauche maintenant que sur le côté droit de Malines, normalement. L'efficacité, je parle, hein, je dis pas le nombre d'actions tentées, hein, l'efficacité. Alors que centre côté droit de Malines, centre très 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 fort et qui malheureusement finit en sortie de but. Bon. Pour l'instant, Malines tente, mais Malines ne cadre pas. Toujours 1-0 pour Metz, 67e minute de jeu. Pause, fraîcheur du côté de Metz. Et il y a Diallo qui va effectivement rentrer en jeu, j'ai l'impression. Beaucoup de changements à venir pour Metz avec l'entrée de Traoré. L'entrée également de... Je ne vois pas qui c'est aussi qui va rentrer. De Lamine Gueye. Lamine Gueye qui rentre en jeu, Diallo qui rentre en jeu. Et Fofana va rentrer en jeu aussi. Oula, il y a beaucoup de changements. Donc il y a Fofana, Traoré, Lamine Gueye et Habib Diallo. Donc on va avoir la réorganisation tactique ou en tout cas le changement des hommes. Je crois que John Boy est sorti si je me trompe pas. Non, peut-être pas. Je crois que John Boy est sorti. Non, si c'est ça, John Boy est sorti. Donc Diallo rentre. Lamine Gueye est donc normalement. Alors c'est très bizarre de comment est-ce qu'on va jouer là. Est-ce qu'on va jouer avec deux attaquants? Ah, et puis il y a Opengate qui est sorti aussi. Ok, donc Ambrose et les gauches, Diallo en pointe, Lamine Gueye et les droits, Boubacar Traoré qui a remplacé Vincent Pajot, donc milieu central droit, Maïga qui reste en 6, donc j'ai l'impression que le test de Maïga sur ce match était vraiment le test de Sentinelle, plus en profondeur on va dire. Donc normalement je regarde, mais donc Tshipembe devrait être encore milieu gauche normalement. Donc après ça reste curieux hein, de pourquoi faire jouer Diallo. Alors ce qui provient donc que Diallo n'est pas blessé, c'était l'interrogation que l'on avait avant le début du match, puisqu'on voyait notamment ce tweet qui a été rapidement effacé par le SMS. Donc forcément ce n'était pas une blessure. Donc alors Traoré, je fais à nouveau le 11 hein. Fofana, pardon, excusez-moi. Hop, Caillard.
Donc ça c'est... Et donc on est encore en 4-3-3. Normalement. Hop, voilà, vous avez la nouvelle formation, vous l'avez à l'écran. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors que Maga est au sol actuellement, le jeu est arrêté. Salut Milo, comment tu vas? Imagine on aurait fait le début de saison comme la deuxième. Laisse-moi un peu rêver. Le problème, c'est que t'as pas du tout les mêmes joueurs, quoi. Entre la première et la deuxième. Et puis le contexte est pas le même. Je veux dire, l'adaptation de nouveaux joueurs embête forcément les performances de l'équipe en première partie de saison. Il y a beaucoup plus d'automatisme entre les joueurs en deuxième. Maintenant, effectivement, t'avais quand même Braun et Pajot qui étaient nouveaux. Bon. Là aussi, il y aurait eu des automatismes à mettre en place. Est-ce que ça aurait aussi bien marché que lorsqu'ils sont arrivés, peut-être. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Ah, merci Milo, bah moi c'est cool, ça va très très bien. Oui, si, Santos a été acheté donc à Lens, et puis Ambrose a été... on a levé l'option d'achat qu'il y avait sur Ambrose, suite au maintien du club en Ligue 1, donc Santos et Ambrose qui sont effectivement à Metz, et là sur le terrain actuellement tu as 111 latéral droit Milo, et tu as Ambrose ailier gauche. E minute de jeu, Malin qui revient derrière, qui tente de réorganiser depuis l'arrière. Donc là, c'est un nouveau schéma tactique, c'est un nouveau, comment dire, c'est un peu un nouveau milieu de terrain dans un sens, hein, parce que d'avoir Traoré qui est rajouté avec Tchibembe, c'est un peu nouveau de voir ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Traoré qui avait été un peu mis à mal dans le système hybride. Attention, alors que là, c'est... Ouf, l'action finalement ne donne rien. Traoré qui avait eu un peu de mal dans le système hybride, ce qu'on peut comprendre, hein, première fois qu'il joue dans un tel système, qui a eu beaucoup de mal à couvrir tout le terrain qu'il avait à couvrir, ce qui fait que le côté droit du FC Metz a été très très mis à mal par la Gantoise lors notamment de la première mi-temps. Donc là, on a cette fois-ci Lamine Gay qui maintenant, comme on est en 4-3-3 normal, donc on a vraiment deux ailiers. Donc Lamine Gay, qui a un profil assez physique quand même, qui va pouvoir bien aider maintenant le côté droit de Metz sur les aspects défensifs notamment. Alors que là, Maiga est monté très très haut, Tchibembe qui est là-bas, Tchibembe qui centre, et le centre qui est dévié, repoussé par Malin. Donc là, Tchibembe qui a pu se mettre en avant. Donc c'est bien de le voir un peu... être au cœur de certaines actions. On sent les organismes un peu touchés pour les deux équipes. Hein. La chaleur aussi, hein, qui commence à monter, bien sûr. Forcément, on sent un peu les jambes un peu lourdes. Là, je suis beaucoup plus rassuré sur le côté droit de Metz. Là où autant en deuxième mi-temps, j'étais un peu inquiet parce que Pajot étant normalement sur ce côté droit, mais dézonant beaucoup, ça pouvait libérer des espaces côté droit. Là maintenant, avec l'arrivée de Lamine Gay, qui par contre tient bien son côté, je suis plutôt rassuré parce que à partir du moment où il n'y avait pas Joe milieu central droit et Ambrose qui était les droits, le côté droit était un peu affaibli. Et là maintenant, il va être beaucoup mieux avec Lamine Gay qui arrive et puis surtout Boubacar Traoré qui vraiment va avoir pour objectif d'être au milieu de terrain, d'aider des fois sur le côté droit. Mais il va vraiment être cantonné au milieu de terrain et qu'il ne va pas devoir s'inquiéter de l'immense travail défensif qu'il avait quand il y avait eu le 4-3-3 hybride, quoi. Alors qu'on envoie en profondeur Diallo, malheureusement, je crois que c'est Ambrose qui a tenté d'envoyer en profondeur.
Ça ne marche pas, c'est récupéré par Malines. 74e minute de jeu, toujours 1-0 pour le FC Metz. Malines qui tente de reconstruire depuis l'arrière. Bon. Salut CFRT. J'espère qu'on dit ça comme ça. Ça donne quoi Ambrose aujourd'hui? Bah écoute, Ambrose aujourd'hui, donc comme tu peux le voir à l'écran, il est en ce moment même, il est ailier gauche. Sur la rencontre, il a été, quand il est rentré en jeu en début de deuxième mi-temps, alors qu'il y a une action pour Malines, j'espère qu'elle va pas être dangereuse et qu'elle va être très bien arrêtée par Caillard. Quand il est rentré en jeu en deuxième mi-temps, c'était pour être ailier droit. Donc absolument pas avançante comme on a pu le voir notamment lors du match contre Charleroi. Pour l'instant, il tente de survivre dans un poste qui clairement le met moins en avant, là où il est moins à l'aise aussi dans le travail défensif. Hein. C'est encore une fois, c'est pas évident quand vous êtes un profil pur offensif de devoir contribuer aussi sur l'aspect défensif. Et donc là, il était replacé ailier gauche à la place d'Openget et on a fait rentrer Lamine Gueye pour renforcer ce côté droit de Metz qui est un peu mis à mal. Depuis le début de la deuxième mi-temps. Donc là, il tente de construire depuis le côté gauche et il fait un très bon dribble. Entrée de surface d'Ambrose qui fait la passe à Lamine Gueye qui a la balle. Lamine Gueye qui tente de remettre. Ouh, est-ce qu'il y a... Non. Faute de, finalement, de Diallo. Très bonne accélération d'Ambrose sur le côté gauche qui a réussi à trouver sur une passe un peu en profondeur comme ça Lamine Gueye qui n'a pas réussi à la remettre très très fort dans l'axe. Et malheureusement, ça a été récupéré par Malines. Quelques centres, encore une fois, du côté de Thomas Delaine, mais qui va normalement redevenir le côté le plus faible. C'est-à-dire que maintenant, avec Ambrose et Delaine sur un même côté, ça va être plus faible sur ce côté-là. Mais même si Tchibembe va un peu compenser, parce que Tchibembe reste beaucoup sur le côté gauche. Il dézone beaucoup moins que ne dézonnait... Vincent Pajot, donc peut-être qu'on aura un meilleur équilibre sur les côtés. Salut Jamboy, comment tu vas? Et salut Misultine57, bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien. Je sors d'un rendez-vous, quel est l'état, quel est le schéma de jeu en première mi-temps? Mega en 6, du coup, Farid dans un rôle d'électron libre, colle à l'attaquant en phase offensive et sur l'aile en phase défensive. Non, en vrai... Farid Boulaya a la plupart du temps collé en fait la ligne, sa ligne, donc des fois c'était le côté droit ou le côté gauche, et en fait ce qu'il fait c'est qu'il rentre dans l'axe depuis le côté, il rentre dans l'axe avec la balle, et d'ailleurs le premier but qu'il marque, et ben, il est sur le côté droit, il rentre dans l'axe avec la balle depuis le côté droit, il frappe, il met une lucarne, donc il n'est absolument pas numéro 10 en phase offensive, il n'y a pas de numéro 10 sur ce match. Faut bien être précis, on est vraiment sur un test pur du 4-3-3, comme on avait pu voir lors de la saison 2018-2019 de Ligue 2 notamment. Donc voilà. Et effectivement, Maïga en 6, Maïga qui est en train de faire tout le match. On est à la 77e minute de jeu, Maïga qui a joué tout le match en tant que sentinelle. Donc on est vraiment sur une affirmation du poste de numéro 6 pour l'instant pour Maïga. Et donc là, il y a Laurent Jantz qui... je crois que c'est Laurent Jantz ou Lacroix. Je crois que c'est Laurent Jantz qui vient de rentrer. Laurent Jantz vient de rentrer à la place de Fabien 111. Donc je vais juste changer sur... Sur le live, je vous mets le... La composition avec Laurent Jantz qui est rentré. Voilà. Vous l'avez donc à l'écran. 1-0 toujours. 78e minute de jeu pour 1-0 pour le FC Metz. On va surveiller aussi Laurent Jantz. Laurent Jantz, c'est intéressant parce que Laurent Jantz, beaucoup de rumeurs. Parce que j'ai vu un papier sorti par le Républicain Lorrain qui disait comme quoi, à part des questions de polyvalence avec Lenny Lacroix, Metz n'allait pas compter sur d'autres latéraux droits. On ne sait pas si Laurent Jantz va être oui ou non considéré pour la nouvelle saison en tant que rotation. Sachant que, je le rappelle, Metz aura désormais un banc de 9 joueurs puisque la nouvelle réglementation sur les remplacements fait qu'il y, aura 5 remplacements maximum par match et les groupes ne seront plus des groupes de 18 mais des groupes de 20 joueurs.
Donc il y a deux joueurs à prendre en plus que d'habitude dans les groupes, et peut-être que Laurent Jans peut saisir cette opportunité-là si Metz veut vraiment compter sur un pur latéral droit en remplaçant, pour être le remplaçant de Fabien Santonze éventuellement. Donc il faut voir ce que va donner Laurent Jans. Déjà, ce qui me plaît pas beaucoup, c'est que Laurent Jans marche un peu sur les plates-bandes de Dylan Brown. Ce qui a été l'un de ses défauts, notamment à Paderborn. Mais on verra bien. Traoré qui lance une contre-attaque dans l'axe, qui envoie la balle côté gauche sur Habib Diallo. Habib Diallo qui est en train de la surface et qui se fait tacler par le joueur de Malines. La balle qui sort en corner. Corner à venir pour le FC Metz, 80e minute de jeu. Je l'aime Farid avec ses passements de jambes. Oui, il y a du déchet aussi. Ouais, Ice Wolf. J'ai noté que c'était bien Laurent Jans. Je l'ai effectivement noté. Vous avez le 11 qui apparaît à l'écran. Misultin qui dit, tu sais pourquoi Wagner ne joue pas? Maïga va jouer en 6 à mon avis cette saison du coup. Alors qu'il y a le corner qui est tiré et qui est arrêté par le gardien de Malines. Wagner Diaz a repris l'entraînement. Il est donc en phase de reprise. Il devrait peut-être normalement jouer contre Dijon, si tout se passe bien, mais il a repris l'entraînement en tout cas. Ça, c'est l'information la plus importante à retenir sur l'état de Wagner. Et Maïga, bah Maïga, effectivement, il est en train de faire tout le match en poste de numéro 6. Je pense que notre ami Vincent Nyon a compris qu'il va pas trop falloir bidouiller sur le poste de numéro 6 comme il tentait de le faire avec Angban. Je pense qu'il a vraiment compris que là, le seul numéro 6 de qualité qu'il peut avoir dans son effectif à l'heure actuelle, c'est Maïga. Ce qui est un peu ce que je pensais. On a eu une discussion avec Grenat Forever juste avant le match. Pour moi, j'avais dit que la solution tactique la moins risquée était de jouer en 4-3-3 avec Maïga en 6. Pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ce 4-3-3-là sera réutilisé contre Dijon, voire contre Strasbourg, si le match contre Strasbourg a lieu, on verra bien. Pour l'instant, c'est une solution qu'il a. Ce match est vraiment le retour du 4-3-3 normal. Et non pas du 4-3-3 hybride. Le centre de Malines, côté gauche de Malines qui n'aboutit à rien, relance de Delaine. Delaine qui envoie en profondeur Thierry Ambrose. Thierry Ambrose qui est très en jambes. Hein. Et Ambrose qui se fait tacler. Est-ce qu'il y a. Non, pardon, c'était Lamine Gaye, excusez-moi. Lamine Gaye, penalty. Non, sortie de but, penalty. Sortie de but. Bon, donc autant pour moi. Donc là, la mid-game s'est fait tacler assez méchamment. Mais l'arbitre a signalé une sortie de but. Lacroix va rentrer en jeu. Lacroix va rentrer en jeu. Alors, peut-être à la place de, normalement, Dylan Brown. On va voir ça, mais normalement, il remplace Dylan Brown. Rentrer en jeu de Lacroix. Rentrer en jeu de Lacroix à place de Dylan Brown. Je vais noter ça tout de suite. Vous allez avoir instantanément le nouveau 11... à l'écran, c'est-à-dire maintenant. Donc voilà, ça c'est la nouvelle charnière défensive Fofana Lacroix pour la fin de match. Nous sommes à la 82e minute de jeu, toujours 1-0 pour le FC Metz. Donc là, on est vraiment sur une charnière de joueurs de rotation, hein, même si Grenat Forever va m'engueuler quand je vais dire ça, parce que lui, il considère que Delaine sera titulaire pour la reprise du championnat, ce que je ne pense pas. Même s'il a beaucoup plus joué que Udol, mais là c'est un peu la charnière des remplaçants hein, qu'on a actuellement. Delaine, Fofana, Lacroix et Laurent Jans. Donc on verra bien. Bon, Lamine Gaye qui a un peu de mal, il se met un peu mal physiquement vis-à-vis de l'adversaire. À noter par contre que Lamine Gaye a changé de côté avec Thierry Ambrose. Lamine Gaye qui est plus sur le côté gauche maintenant et Ambrose sur le côté droit, comme ça avait été le cas lors du début de la deuxième mi-temps. Pourquoi ils l'ont pas gardé en doublure? Tu parles de qui? De Laurent Jans? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas gardé en doublure la saison dernière? Je pense que Laurent Jans... La raison pour laquelle ils l'ont pas gardé la saison dernière, c'était une raison simple, c'est que je pense que Laurent Jans s'est senti un peu, pas trahi, mais il devait être titulaire normalement lors de la saison 2018-2019 de Ligue 2 en fait. Sauf que dans le même temps, tu gardes Ivan Baliou,
que tu penses pas garder. Et au final, Ivan Baliou a le rôle de titulaire. Et donc, Lorient s'est cantonné à un rôle de remplaçant. Et ça, je pense, mis un peu un coup au moral d'avoir ce statut-là, alors qu'il pense être titulaire quand il arrive à Metz. Quand il arrive à Metz, Lorient, Baliou, on parle de lui pour un départ. On est été 2018 à ce moment-là. Finalement, Baliou va rester pour sa dernière année de contrat, ne va pas prolonger, et Lorient va partir du côté de Paderborn en Allemagne pour essayer vraiment de se faire une saison pleine, ce qu'il va pas totalement avoir du côté de Paderborn. Il va quand même faire la fin de saison. Malheureusement, Paderborn qui, derrière, descend en deuxième division. Donc là, il y a eu un centre d'Ambrose, dégagé par Malines, en corner. Corner à venir pour l'UFC Metz avec un Lorient qui était monté justement sur l'action en question. J'espère qu'ils vont tenter un 4-2-3-1 contre Dijon. Écoute, quand on voit l'orientation tactique de Metz depuis 3 rencontres, le FC Metz joue avec une sentinelle. Alors qu'il y a un corner dangereux qui vient d'être dégagé par Malines, à nouveau en corner, donc deuxième corner d'affilée pour le FC Metz. Le truc qu'il y a, Mizutin, c'est que le problème, c'est qu'on est sur 3 matchs maintenant où Metz joue avec une sentinelle. Donc est-ce que à 2 matchs, enfin, oui c'est ça, pour l'avant-dernier match de préparation, Vincent Ognon va revenir à un système avec 2 milieux de terrain? Je pense que non, je pense pas qu'on va se diriger vers ça. C'est possible, encore une fois, tout est possible dans le football et surtout avec le FC Metz. Mais on n'a pas l'air de se diriger vers un système autre qu'un système avec une sentinelle devant la défense. Et quand tu vois Maiga faire 90 minutes là au poste de sentinelle, je pense pas qu'il fait tout ça pour en gros que le match contre Dijon, on décide de le... Oulala, Kayar ? Kayar ? Oulala, sortie compliquée là pour Kayar. Pas facile. Je pense qu'il est très compliqué de se dire qu'on va repartir sur un système avec 2 milieux de terrain, comme on a vu contre Serein. En fait, je serais un peu dans l'esprit de genre, on a fait 3 matchs pour rien, quoi. Si tu reviens à un système à 2 milieux de terrain, c'est un peu 3 matchs pour rien ou tu bosses pas le système. Donc voilà, quoi. Donc je suis un peu méfiant vis-à-vis du retour du... Je dis pas que c'est pas un bon système, hein. Je dis que je suis un peu dubitatif sur le retour d'un système avec 2 milieux de terrain. Il est dans le groupe Sabali, oui. Effectivement. Yann, c'est mauvais, il faut le vendre. C'est difficile à dire parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Laurent Yann, c'est ce que... Le problème de Metz, c'est qu'aujourd'hui, Metz est... alors qu'il y a un contre-attaque qui est mené par Malines, et je reprends la discussion après, ça joue dans l'axe, malheureusement, ça passe pas. Alors on sent comme Malines beaucoup plus tenté maintenant de passer dans l'axe que lors de la première mi-temps ou alors lors du début de la deuxième. Hein. Il tente maintenant de passer dans l'axe. Metz a l'air d'être beaucoup moins serein dans l'axe maintenant. Maiga commence à être un peu fatigué. Le fait que Pajot soit plus là en train de dézonner et qu'il ne soit plus présent dans l'axe, ça laisse beaucoup plus d'espace dans l'axe. Donc maintenant, Metz va devoir certainement gérer le match. Pour reprendre la question sur Laurent Jans, le problème c'est que la petite blessure de 111 à Ouzisquiou a un peu emmerdé quand même Metz. Hein. Ils disent qu'il peut à nouveau se reblesser. Donc forcément... N'ont-ils pas besoin d'une doublure? Et parce que la croix, ils peuvent penser que ça fait un peu léger pour une doublure, tu vois. Même s'il est polyvalent central et aussi latéral droit, ils peuvent penser que ça va être très très soft. Et dans ce cas-là, se dire, bah, Laurent Jans, en plus, le groupe, maintenant, on peut avoir 20 joueurs par groupe de match. Pourquoi pas garder Laurent Jans? C'est 3 mi-temps, là non, il n'y a pas 3 mi-temps, il y a 2 mi-temps de 45 minutes. C'est plus comme la... C'est pas comme le match contre Charleroi. C'est ça que je veux dire. Donc là, Ambrose qui a récupéré la balle côté gauche, Maiga qui redonne sur Delaine. Je pense qu'on va gérer tranquillement le score. Hein.
Voilà, on change d'aile côté droit. Super passe de Lacroix. Laurent Yanns qui est très offensif quand même. Ça, j'aime bien le voir comme ça. Qui joue avec Lamine Gueye. Ça joue très très bien avec là. Laurent Yanns et Lamine Gueye qui joue très très court. Centre de Traoré qui change totalement de côté avec Thierry Ambrose. Thierry Ambrose qui malheureusement rate son contrôle. Récupération de Malines. 89e minute de jeu. J'aime bien ce que je vois sur Lacroix, par contre, Lacroix, il n'hésite pas quand effectivement il voit un joueur au milieu de terrain qui est libre de tout marquage et qui est susceptible de recevoir une passe. Donc c'est leur attaquant de pointe à Malines, il n'hésite pas à sortir sur lui. Un peu ce que fait d'ailleurs Dylan Brown. Je suis pour l'instant assez séduit de ce que fait Lacroix. Pour le peu qu'il fait, c'est bien. Lamine Gueye qui récupère la balle, qui fait la passe à Diallo. Diallo qui est totalement isolé. Aucun soutien, pas de latéraux droit qui vient, pas de milieu qui vient. Ah, maintenant, enfin, ça arrive. Lorient qui doit peut-être monter un peu plus vite quand même, hein, s'il veut soutenir l'attaque. On change de côté, on passe côté gauche. Contrôle de Delaine, le long de la touche. Delaine qui envoie la balle sur Thierry Ambrose. Thierry Ambrose qui amorce une accélération. Centre de Thierry Ambrose, la balle est déviée. Et c'est pour Lamine Gueye qui frappe. Malheureusement, la frappe est totalement... qui est totalement arrachée au sol. Et... c'est la fin du match. Fin du match, victoire de Metz 1-0 contre Malines lors de ce quatrième match de préparation pour le FC Metz. Une victoire. Le FC Metz qui a un nouveau... comment dire, qui retrouve les chemins de la victoire après la défaite contre la Gantoise 3-0. Bon, on va retenir que le résultat, même s'il y a quelques enseignements à prendre en considération. Alors je vais juste noter comme quoi c'est bien la fin du match. Fin match 1-0, but de Farid Boulaya en première mi-temps. C'est terminé donc. Bah voilà. Bon, bah écoutez, c'est intéressant tout ça. Lacroix a un très bon potentiel. Oui, Clément, Lacroix a un très bon potentiel. J'aime bien son agilité balle au pied. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En même temps, je dirais, Metz est un peu maintenant obligé de le faire jouer aussi parce que n'oublions pas que Lacroix accepte, je dirais, de rester à Metz, enfin de signer un contrat professionnel au FC Metz parce qu'il y a aussi une garantie de temps de jeu. Et vous savez que la garantie des temps de jeu chez les jeunes joueurs du FC Metz a été un peu mise à mal depuis quelques années. Et de voir que cette confiance-là peut être mise à l'heure actuelle, c'est bien. Maintenant, toute cette confiance que l'on voit, là, que l'on accorde à la Croix sur cette préparation, si elle est totalement mise à terre par rapport à l'arrivée d'un défenseur, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont évoquées sur des potentiels défenseurs qui peuvent arriver du côté du FC Metz. Bah forcément que pour Lacroix, ça va être un peu dur. Parce que là, aujourd'hui, il y a 4 défenseurs centraux dans les rotations du FC Metz. Lacroix, Fofana, Brown et John Boy. Si on ajoute un cinquième, ça peut être très très dur pour Lacroix pour tenter d'exister, tu vois, pour la saison, quoi. Donc forcément, on va quand même surveiller, je dirais, du côté de Lacroix, les éventuelles arrivées. Est-ce que oui ou non, il y aura un nouveau joueur qui va arriver ou pas? Et je pense que ça serait un peu gênant pour lui si quelqu'un arrivait pour lui prendre sa place, tu vois. C'est clair. Fallait prolonger Bayou, il est très bon, au lieu de garder Yanns. Oui, mais encore une fois, Bayou ne voulait pas prolonger Misultin. Je pense que Metz aurait été très heureux de prolonger Bayou, mais je pense que Bayou ne voulait pas prolonger à Metz, et que c'est la raison pour laquelle Metz n'a pas gardé... excuse-moi, tu voulais dire... oui, en 2018. Bah, en fait, Bayou arrivait à un an de la fin de son contrat. Et donc Metz était un peu en mode,
on a quand même acheté ce joueur-là, on va essayer de le revendre pour essayer de gagner un peu d'argent pour pas qu'il parte libre. Et donc à l'époque, ils ont tenté effectivement de vendre Baliou. On est à l'été 2018, ils n'ont pas réussi à le vendre. Et donc ils avaient fait venir entre-temps Laurent Jans parce qu'ils pensaient que comme ils voulaient vendre Baliou, Baliou allait partir à l'été 2018. Au final, il n'est pas parti, Baliou est resté, il a fait un an en tant que titulaire et Laurent Jans était sur le banc à la suite de ça. Loïc, Tshipembe n'est pas encore prêt, quasiment transparent, le peu temps de jeu, Yann c'est pas mal, Yann on va dire que Diallo avait fait des mauvais matchs en prépa 2019. Beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Déjà pour commencer, Tshipembe n'est pas encore prêt, quasi transparent. Je pense que Tshipembe aura beaucoup plus... Alors ça confirme par contre une chose, c'est que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas avoir un milieu de terrain si on veut que Tshipembe soit bon. Hein. Je ne pense pas qu'on aura un milieu de terrain... Pajot, Maiga, Tshipembe. Pour les raisons que j'ai expliquées, c'est que dans ce qu'on a vu là, Maiga et surtout Pajot monopolisent énormément l'organisation du jeu depuis le milieu de terrain. Et que Tshipembe pourrait contribuer à cette organisation là. Le problème, c'est que étant vraiment dans une position de milieu de terrain, comme il y a d'autres joueurs qui s'occupent de ça, bah lui, il fait pas grand-chose. D'où ma remarque en disant il a plutôt intérêt à jouer haut au contact de l'attaquant. Parce que si tu joues haut au contact de l'attaquant, automatiquement, tu deviens plus menaçant, en fait. Parce que tu joues au contact d'un autre joueur. Je pense pas qu'aujourd'hui, l'attitude un peu passive qu'il a au milieu de terrain soit la bonne solution pour lui. Laurent Yann sur le temps de jeu, il a tenté de monter, donc c'est très, encore une fois, c'est très très court sur son peu de temps de jeu de dire si Laurent Yann ça fait un bon match. On va dire qu'il a sur le peu de temps de jeu, il a pas été forcément bien mal. Et sur Nian, on va dire que Diallo avait fait des mauvais matchs en prépa 2019, c'est plutôt vrai. Je veux dire, Nian avait fait une meilleure préparation que Diallo en 2019, hein. Lors de l'été 2019, hein, il avait mis plus de buts que Diallo. Et l'histoire a montré que c'est pas parce que vous faites une mauvaise pré-saison que vous ferez une mauvaise saison. Mais c'est clair que ça met un peu de pression, entre guillemets, sur toi, de ne pas répondre présent sur ce genre de rencontre. Je suis d'accord. La Croix, il n'était pas courtisé par des grands clubs. Il était courtisé, je disais, par le Bayern de Munich. C'est un très très jeune joueur qui, de toute façon, était très très courtisé. Et qui a accepté de signer à Metz parce qu'on lui avait une promesse de temps de jeu. Sans ça, aucune raison pour lui de signer à Metz. Je veux dire, il y a d'autres clubs qui aujourd'hui mettent beaucoup plus en avant les jeunes de la réserve que Metz. Et tu prends l'exemple du Bayern de Munich. Je rappelle que le Bayern de Munich est en 3e division allemande et que le Bayern de Munich a fini premier de sa 3e division allemande cette saison. Alors, ils n'ont pas le droit de monter en 2e division parce que les règlements... en Allemagne, interdisent d'avoir une équipe réserve en 2e division. Mais si, par exemple, il était parti à Munich, dans l'équipe réserve de Munich, il aurait pu avoir une très très belle carrière, enfin un très très beau début de carrière. Parce qu'il y a des clubs comme ceux-là qui mettent tout de suite en avant les jeunes joueurs et qui leur donnent du temps de jeu. Et c'est le plus important. Oui, et c'est notre seule défense centrale de formation, la Croix, effectivement. Et en plus, il peut dépanner latéral droit. Est-ce qu'il est bon latéral droit, c'est une autre question. Mais en tout cas, effectivement, c'est le seul défenseur central de formation. Et Fofana, pour moi, effectivement, c'est un milieu défensif. Enfin, je le préfère voir milieu défensif que le voir défenseur central. Parce que pour moi, il défend comme un milieu défensif, en fait. Pas comme un défenseur central. C'est qu'une opinion personnelle, bien sûr. Que j'ai depuis l'été 2018, hein, tout simplement. Bah en vrai, il y a une configuration que l'on n'a pas vue. C'est Tshipembe sur le côté droit. Même s'il est gaucher, que je pense que c'est un peu compliqué de le voir comme ça. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit... Enfin, le choix d'homme influe parce que la façon dont joue Pajot influe sur le jeu de Tshipembe énormément. Et plutôt négativement, en fait, quand tu regardes bien. Donc, on va voir l'évolution. Hein. Encore une fois, Tshipembe, pas de pression sur lui. Je veux dire, Tshipembe, il a un contrat long-termiste du côté de Metz. Il n'est pas forcément venu à Metz pour être titulaire dès cette saison. Donc, pas de pression sur lui, quoi.
clairement pas. Il doit pas se mettre de pression là-dessus. Mais oui, effectivement, Clément, je veux dire, Fofana peut jouer défenseur central. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est plus à l'aise en étant milieu défensif central qu'en étant défenseur central. Il devient quoi, Kaby? Bah, Kaby, il est en phase de, toujours en phase de rééducation. Ça va être une très très longue phase de rééducation pour lui. Il va, j'espère qu'il va retrouver l'usage de ses jambes, et je pense qu'il va y arriver, mais ça va prendre énormément de temps. Énormément de temps. Salut Raphaël, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'espère que tu vas bien. Salut, bon match dans l'ensemble, un adversaire du même niveau pour le FC Metz, Laurent Yann, ça a bien joué en doublure de 211. Oui, c'est un bon match dans l'ensemble. On va dire qu'on a eu beaucoup d'enseignements sur le milieu de terrain aujourd'hui. Malheureusement, sur l'attaque, ça n'a pas été extraordinaire, encore une fois. J'étais assez déçu par l'attaque sur ce match-là. Un peu comme le match contre la Gantoise, d'ailleurs. Pour moi, c'est le milieu de terrain qui s'est beaucoup plus mis en avant sur ce match-là que... Le milieu de terrain est Thomas Delaine. Thomas Delaine qui a été le latéral le plus offensif de l'équipe jusqu'à à peu près l'entrée en jeu de Laurent Jens. On va dire. Enfin, même pas. Jusqu'à la rentrée en jeu de Chipembe. Donc la triple rentrée Chipembe... Chipembe avec la sortie de Pajot. Juste derrière. C'est là où Delaine s'est un peu plus calmé, mais il a été très actif offensivement sur la première mi-temps. Ça, on peut le dire. Dans ce cas, Fofana va partir s'il n'est même pas titu quand Endoram est blessé. Bah ça, c'est ma théorie que j'avais à l'époque. C'est que la théorie, c'est que... Fofana... Effectivement, moi si je suis Fofana, je suis normalement milieu défensif numéro 2, je suis mécontent de ma situation. Maintenant aujourd'hui, il n'a pas non plus une situation très, très alarmiste, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas recruté encore un autre défenseur central pouvant l'embêter. Si demain tu me recrutes par exemple N-Team ou un autre joueur, là je suis Fofana, je suis plus inquiété, parce qu'aujourd'hui, Fofana c'est le troisième défenseur central dans la hiérarchie. Et c'est potentiellement le deuxième milieu défensif central à l'heure actuelle si on considère que Maguel est devenu le numéro 1. J'exclus Endoram qui est blessé pour le moment. La situation de Fofana n'est pas si terrible que ça. Maintenant, je suis d'accord qu'elle pourrait être meilleure. Après, le mercato est encore très très long, hein, donc tu sais, des départs il peut y en avoir. Tu disais, je t'avec par rapport à quel joueur quand tu dis énormément de temps? Tu parlais de quel joueur? Raphaël, ça jouait mieux en première mi-temps qu'en deuxième. Est-ce que ça jouait mieux en première mi-temps qu'en deuxième? Oui, ben, l'équipe est beaucoup plus équilibrée l'équipe a beaucoup plus de vigueur en première mi-temps en fait. Tu sens qu'en deuxième mi-temps, les jambes sont un peu plus lourdes. Bon, il y a beaucoup de changements tactiques qui ont eu lieu aussi. Des joueurs qui jouent pas forcément à des postes où ils sont les plus à l'aise. Je pense à Ambrose sur un côté. Clairement, je veux dire, on sait que c'est un poste, notamment sur l'aspect défensif, qu'il ne maîtrise pas encore totalement. Puis après, il y a Chipembe. Chipembe, je suis un peu partagé. Tu vois, c'est... Chipembe, aujourd'hui, je suis un peu partagé. Sur ce match-là. Je sais pas s'il a moins contribué en deuxième mi-temps que Angban n'a contribué en première mi-temps. Tu vois, difficile à dire. Angban, je trouve qu'il a fait le minimum syndical, mais il l'a bien fait. Mais clairement, aujourd'hui, les clés de l'organisation du jeu depuis le milieu de terrain ne sont pas données à Angban ni à Chipembe d'ailleurs. De ce que tu vois là, c'est Maïa... Et c'est Pajot qui ont les clés du milieu de terrain dans l'organisation. Au début, on jouera comme ça. Si par exemple Angbon ou Chipembe sont mauvais, il tentera Fofana MDC, puis il jouera en coupe. Donc aussi, il faut le garder. Oui, alors attention, mise de terrain. Premièrement, il n'y a plus qu'une coupe nationale l'année prochaine, qui commence en deuxième partie de saison. Première chose.
Deuxième chose, on jouera. Comment dire? L'instant T, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, si tu dois mettre quelqu'un en milieu défensif à la place de Maïga, entre Fofana et. Et comment dire. Et Angband, qui c'est que tu mets, quoi? Moi, je mettrais Fofana. Angband, aujourd'hui, pour moi. En fait, il faut vraiment que vous vous rendiez compte l'apport des milieux de terrain sur l'organisation du jeu, et notamment le rôle du numéro 6 qui est Maga, sur l'organisation du jeu. Et Angband n'a pas cette fibre organisation du jeu, en fait. Il l'a pas. C'est pour ça que le milieu défensif a eu beaucoup de mal à sortir les ballons, notamment lors du match contre Charleroi quand Angband était en 6. Et contre la Gantoise, là c'était assez évident quoi. Oui, tu parlais de Kabi, je t'avais. Oui, ben oui, c'est dommage. Après, encore une fois, comme le dit Clément, je pense qu'aujourd'hui la priorité pour Kabi, c'est de remarcher, c'est d'essayer voilà, de prendre le temps qu'il faudra et qui sait ce qui se passera par la suite. Mais voilà, il faut vraiment qu'il n'hésite pas, je dirais, à. Il faut pas qu'il stresse quoi. Tout simplement. Salut, dealer de. Je sais pas si je vais dire à la fin de ton nom. Le dealer, je vais t'appeler. Maga, c'est un guerrier. Oui. C'est pour cela que c'est le meilleur 6 à l'heure actuelle dans l'effectif, quoi. Non mais Misultin, on est d'accord, Angband, c'est pas un joueur qui est formé en tant que 6, c'est pas un joueur qui quand il arrive à Metz et qu'il est en post-formation est post-formé en tant que 6, c'est un joueur qui est post-formé en tant que 8, pas en tant que 6. Donc c'est pour ça que moi j'étais assez perplexe quand je vois Vincent Lyon bricoler en Angband en 6. D'ailleurs, il a là faire un match entier 90 minutes avec Maëga en 6. On peut l'interpréter comme on veut, mais je pense qu'il a abandonné l'idée de faire Angband en 6. Il voit qu'aujourd'hui, Angband en 6, c'est pas autant efficace que Maiga. Et entre un Maiga en 6 et un Angband en 8, ou alors à l'opposé, un Angband en 6 et un Maiga en 8, je pense qu'il va préférer mettre l'option Maiga en 6 et en Angband en 8 plutôt que de mettre Angband en 6 et Maiga en 8. Voilà. C'est tout. Angband 6 millions, ça pique sérieux. Oui, enfin, c'est pour ça que. Encore une fois, après, genre, le destin des joueurs n'est pas tracé, c'est pas linéaire. Hein. Des fois, il y a beaucoup de ralentissement dans la carrière des joueurs. Là, il est un peu toujours à la recherche, je dirais, d'un vrai lancement de sa carrière au FC Metz. Il avait commencé à faire de bonnes choses. Lors de sa première saison en 2018-2019 avec Metz, son lancement en Ligue 1 a été un raté la saison dernière. Il a raté son lancement en Ligue 1 la saison dernière, Angband. C'est inévitable. Alors après, est-ce que c'est parce que on a amené de la concurrence qui n'était pas prévue au programme, par exemple l'arrivée d'Adama Traoré, qui a fait que bizarrement ça a un peu plus renforcé la concurrence au milieu de terrain. Je veux dire, la concurrence au milieu de terrain à ce moment-là, c'était notamment. T'avais Coad, t'avais Coad, Angband, t'avais donc Traoré, Boulaya, on se demandait s'il pouvait pas jouer 10, t'avais Endoram, Maiga, Fofana qui à l'époque était considéré comme milieu défensif dans l'équipe. Ça s'est beaucoup resserré à ce moment-là. Mais Angband. Oui, Nicolas, je suis d'accord que ça n'a jamais été officiel. Et moi, je suis parti de ceux qui disent que ça n'a jamais été officiel. Mais même si c'est 4 millions d'euros, c'est une somme énorme pour ce que fait Angband. Non, mais dealer, c'est pas. Dealer, je suis d'accord avec Nicolas. Officiellement, Metz n'a jamais dit que c'était 6 millions d'euros. C'est la presse qui a dit oui, c'est 6 millions d'euros. Ça n'a jamais été dit de manière officielle que c'était 6 millions d'euros. Ça, c'est sûr et certain. De la part de Metz en tout cas. Les médias britanniques avaient effectivement dit que ça s'approchait des 6 millions d'euros, mais ça. Même si c'est. Oui, mais d'accord, dealer, mais Transfermarkt, ce n'est pas officiel.
Trans-Saint-Marc, ils prennent une info de la presse et ils mettent ça. Faites toujours attention sur les prix des transferts sur Transfermarkt ainsi que sur la valeur des joueurs. Ça n'est absolument pas forcément la vérité. Metz n'a jamais dit que c'était 6 millions d'euros pour Angban. Mais c'est pas là le débat. Le débat, c'est que même s'il a coûté 4 millions d'euros, c'est un joueur qui a que tu as envie quand même d'impliquer dans l'effectif parce qu'il a quand même un certain coût et tu veux l'impliquer dedans. Donc là, Oignon a tenté de le mettre en 6. Ça n'a pas marché, mais il va le remettre en 8. Voilà. Pour l'instant, Angban a toutes ses chances quand on voit que les milieux de terrain autres que Pajot et Maïga sont en phase de rodage. Il a ses chances, il a clairement ses chances aujourd'hui, Angban, pour s'imposer. Et il vaut mieux pour lui, je dirais. Et pour Metz aussi. Donc voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser sur le FC Metz, sur d'autres sujets qui peuvent être intéressants? Parce que là, il est 12h40, je sais que certains vont les manger et ça va certainement être le cas pour moi. Donc si vous avez d'autres questions à me dire sur le SMS, je reste là encore 5 petites minutes, puis après je couperai le live. N'hésitez pas, ceux qui sont encore sur le live, à vous abonner hein, si ça n'est pas déjà fait. Hein, le petit bouton s'abonner en dessous. Likez aussi le live. Hein, aussi. Le live, je le laisserai en replay. Hein. Il sera accessible, encore une fois, pour tous ceux qui le veulent. Il sera sur la chaîne, il n'y a pas de souci là-dessus. Même 4 millions d'euros au même prix, il y a Endoram au même prix alors qu'il est meilleur sur tout le point. Ah non, mais on est d'accord pour dire que le pari qui a été fait sur Angban est un très très gros pari. Qui pour l'instant n'est absolument pas payant. Mais on est d'accord, dealer, hein, on est entièrement d'accord là-dessus. Hein. Lucas qui dit « Nous, on peut manger en t'écoutant, c'est pas un souci. » Oui, après, moi, je t'avoue que mon ventre gargouille un peu, tu vois. Donc forcément, forcément je ne suis pas contre l'idée de manger, surtout de rafraîchir mon gosier, parce que parler pendant près de 3h45, parce qu'on va approcher des 3h45 de live, ça assèche beaucoup la gorge, tu vois, Lucas. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que on prévoit d'aller manger, tu vois. Est-ce qu'il faut prendre un buteur car Nian, ça a l'air maigre devant, ça fait un peu peur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as deux buteurs qui ont été annoncés Tu as deux buteurs, en fait, qui ont été annoncés au niveau des statuts. Numéro 1, Nian. Numéro 2, Ambrose. Donc, je dirais qu'en termes de nombre... Je dis bien de nombre, tu as assez de buteurs. Tu as aussi certains ailiers qui vont pouvoir peut-être jouer avant-centre. Est-ce qu'un Wagner va pouvoir des fois aider en tant qu'avant-centre? Est-ce qu'un Yadé va pouvoir peut-être un jour aider en tant qu'avant-centre? Vous savez que moi je suis très... je prédis un avenir de Yadé en tant qu'avant-centre. Un Lamine Gay, pourquoi pas un Lamine Gay des fois qui peut dépanner en avant-centre? Je dirais qu'en termes de nombre, ce n'est pas le problème. Effectivement, la question, c'est en termes de qualité. Est-ce que les attaquants à l'heure actuelle sont de qualité suffisante pour la Ligue 1? Moi, je pense que oui. Encore faut-il que les mecs jouent sur leur qualité. Nian n'est pas un joueur qui, dans la surface, peut s'imposer physiquement vis-à-vis des défenseurs adverses. Pas autant que Diallo, en tout cas. Donc, Nian, aujourd'hui... doit jouer autour des joueurs, enfin doit rester proche des joueurs autour de lui, c'est la chose importante. Et surtout, il ne doit pas rester isolé sur les phases offensives. Là encore, sur ce match contre Malines, on a vu très souvent des actions où même Diallo, quand il est rentré en jeu, a été très souvent isolé du reste de l'attaque. Il y a eu des fois un manque de soutien important, des ailiers non, mais du milieu de terrain. Et c'est là où je veux justement voir un Tchibembe beaucoup plus haut qu'il ne l'a été sur cette rencontre. Tchibembe est pour moi encore un peu trop en retrait. Et il est dans un entre-deux. D'un côté, il n'est pas assez bas dans le milieu pour contribuer à l'organisation du milieu de terrain et l'organisation des attaques de Metz. Et il n'est pas assez haut pour aider les attaques quand Ambrose ou Lamine Gay déclenchent une attaque. Et c'est là où c'est un vrai problème. Donc, pour en revenir sur Nian, pour moi, doit jouer
des joueurs autour de lui. Il doit pas rester isolé comme il est. Parce qu'il n'est pas fort quand il est isolé. On l'a très bien vu. En tant qu'avant-centre, quand il est isolé, il n'est pas efficace. Il est mis à mal par les adversaires. Et quand il était sur le côté et qu'il était isolé, là, c'est pareil. Je veux dire, il est là aussi... quand il est isolé sur un côté, il a du mal. Donc, c'est quelqu'un qui doit jouer autour de ses coéquipiers. Pas qui doit être isolé. C'était d'ailleurs la remarque qui était faite à une époque pour Diallo, où pareil, quand il est isolé, et bah ok, il peut utiliser son physique et un peu sa qualité technique pour essayer de s'en sortir, mais c'est un peu du miracle de faire ça, quoi. Et c'est un peu ce qu'on attend de Nian, quoi. On attend, en gros, que le mec fasse des miracles tout seul. Sauf que, ben, c'est pas évident, quoi. Mais Diller, le problème, c'est qu'à l'heure où on parle... Tu parles de... On peut évoquer tous les joueurs de la planète. Le fait est qu'aujourd'hui, vis-à-vis des joueurs que tu as dans ton effectif, tu as pris des engagements. De te dire, tu seras mon titulaire, le projet est de te faire titulaire. Toi, Nian, et toi, Ambrose numéro 2. Bon, tu peux pas là dire en gros, parce qu'il y a eu 3 matchs amicaux qui n'ont pas été bons pour Nian. En gros, Nian, c'est bon, tu n'es plus dans le plan du début de saison. S'il y a une décision qui doit être prise au niveau d'un bouleversement de l'attaque, ça ne sera pas pris maintenant, ça sera pris durant le mercato d'hiver, mais pas maintenant. Je pense que tous ceux qui évoquent les rumeurs d'attaquants à Metz, c'est fini, il n'y aura pas d'attaquant qui va arriver à Metz. Ou alors, je ne comprends absolument pas la logique derrière. En termes de nombre, aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'autres attaquants qui arrivent. En termes de nombre. Et la qualité, pour moi, si jamais un basculement doit avoir lieu, le basculement, il aura lieu durant l'hiver. Si jamais Nian n'apporte absolument pas satisfaction en termes de statistiques ou en termes de présence dans les matchs, et ben le mercato d'hiver sera le mercato où, ouais, effectivement, tu pourras faire venir ou tu voudras faire venir peut-être quelqu'un pour remplacer Nian. Mais je vous garantis que Nian va avoir sa chance pendant au moins 6 mois minimum. Je dis pas que c'est la bonne solution, je dis que c'est ce qu'ils vont faire. Mais toi, tu mets Ambrose en but, mais pour moi, c'est pas du tout un but, c'est un MG. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, dealer. Ce n'est pas moi. C'est les propos d'Ambrose, c'est les propos de la direction qui veut faire d'Ambrose le numéro 2 au poste d'attaque. C'est pas moi qui le dis. Après, moi, je suis assez intéressé notamment les phases d'accélération d'Ambrose sur un côté. Là encore, il l'a fait à 2-3 reprises. Il a fait des bonnes phases d'accélération sur le côté. C'est là où, sur le côté, je le trouve... On a commencé d'ailleurs à avoir des prémices lors du match contre Nantes la saison dernière, le match retour, où il avait été l'un des seuls éléments offensifs intéressants de l'équipe avec ses accélérations. Pourquoi pas sur un côté, effectivement, tu as peut-être raison, Tiller, de le voir sur un côté, sauf qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas envisagé comme étant un joueur de côté. Je rappelle que nous avons déjà 4 joueurs de côté. Nguet, Yadé, Sabali, Lamine Gay, je compte pas Boulaya, et pourtant Boulaya a joué sur un côté sur ce match-là, ça ferait 5. Et il y a Wagner aussi, ça fait 6, qui est un joueur de côté. Donc non, je pense pas que dans l'esprit de la direction, Ambrose soit considéré comme un joueur de côté. Bien qu'il a l'air meilleur de côté qu'en pointe. Tu vois ? Ah mais de toute façon, dealer, je veux dire, les actions de but, on n'en aura pas beaucoup. Hein. Faudra pas les gâcher, hein, c'est clair. Guillaume qui dit qu'il faut essayer de garder Diallo. Ah mais... Faut que vous compreniez que Diallo, la vente de Diallo, elle est budgétée. Ça veut dire que dans le budget de Metz, qu'on a présenté à la DNCG, encore une fois, on a pris en considération la vente de Diallo dans la prévision budgétaire. On a dit Diallo devrait nous rapporter entre temps et temps. Voilà, il est compris dans notre budget de la saison. Après, je suis d'accord, Guillaume, je suis pas en train de te dire qu'il faut le vendre. Je suis en train de te dire qu'il est prévu dans le budget qu'il doit être vendu. Je dis pas que c'est une bonne solution de le vendre. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit.
Et comme tu dois savoir, les achats de certains joueurs dépendent des recettes que tu as prévues pour la saison. Et parmi les recettes que tu as prévues pour la saison, tu as prévu de vendre des joueurs. C'est pour ça. Bon, je pense que on va s'arrêter là. On a pas loin de 4 heures de live, hein. C'est assez extraordinaire. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont assisté à ce live. Ça fait énormément plaisir de vous avoir dans des discussions sur beaucoup de sujets. Ça fait énormément plaisir d'avoir des personnes avec qui discuter du FCMS, hein. C'est pas tous les jours qu'on trouve quelqu'un avec qui on peut discuter de manière voilà, calme, posée, en se respectant les uns les autres, en ayant des arguments. Et vous avez tous des arguments sur tous vos sujets. Ça fait énormément plaisir d'avoir des gens comme vous qui, justement, voilà, nous permettent un peu de parler du FCMS. Un grand merci à ceux qui se sont abonnés. Hein, vous êtes extraordinaires. Voilà, on approche des 600 abonnés. C'est tout simplement incroyable. Donc, ceux qui ne se sont pas abonnés, pressez-vous d'appuyer sur le putain de bouton abonné là, qui est en dessous, là, qu'on fasse péter cette barre des 600 abonnés. Hein, bien évidemment. Mais si vous voulez pas, vous pouvez mettre un petit like. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et donc voilà quoi. Donc franchement merci à tous. On se retrouvera peut-être si je suis disponible pour un live pour le match contre Dijon. Puis voilà quoi, on se retrouvera à ce moment-là. D'autres vidéos à venir. Le débrief que je vais faire certainement dans l'après-midi, que je vais essayer de publier demain si je peux, ou alors dans le meilleur des cas lundi midi. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc le débrief sur ça. Peut-être d'autres arrivées qui vont et d'autres départs hein, à analyser. Ou alors une vidéo thématique qui arrivera la semaine prochaine, je ne sais pas encore. J'ai peut-être une idée là-dessus. On verra ça avec Grenade Forever. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont restées sur ce live. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. Bon sommeil pour ceux qui se sont levés très très tôt pour assister à ce live. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine. Hein? Des bisous et alors, attendez une seconde. Est-ce que j'ai le décor de fin qui s'affiche? Voilà. Merci beaucoup à tous et portez-vous bien et allez le FCMS.